Allez, c'est pas grave, c'est pour la prochaine. PB à 135, on commence à parler maintenant. Putain. Piaf de merde! Oh, mais piaf de merde! Et Mog en late game aurait été chaud, ouais. Et Mog en late aurait été chaud aussi. Mais je lui faisais vraiment pas de dégâts, cette merde de piaf, hein. Je lui faisais zéro dégâts. Oh, le loup, mais vraiment... Excusez-moi le début de run là, je peux jouer? Ouais ouais je sais mais en fait j'aurais bien voulu mettre graisse sacrée mais mon arme peut pas mettre... En fait... La lame est très forte mais je peux pas mettre de graisse sacrée dessus. Et c'est ton nom de boss. C'est vrai. Je crois qu'il est résistant au feu. En fait j'aurais dû changer de stuff pour aller faire le piaf. T'as fait autre chose ce soir à part faire du ring? Bah vous savez quoi? On regarde déjà comment se passe le setup. On regarde déjà le setup, ok. Si le setup est trop chiant, on change. Et si le setup est bon, on continue, ok. Ah, c'est trop dommage quand même. Hein. Putain, 135 boss. Oh là là. Merci pour les 100 bits. Comme oh, ça, je fais déjà très mal, on a je trouve, du hein. Rap d'Elden Ring Romain JNO. Ouais, ouais, j'ai fait exprès du coup. J'ai fait exprès pour le rap d'Elden Ring. Regarde quand la vidéo. Laquelle? Quelle vidéo? On regarde le setup et on avise après, ok? Ouais, peut-être j'aurais dû garder... Et peut-être c'est un signe où j'aurais dû garder mon... Peut-être c'est un signe où j'aurais simplement dû garder mon gros gourdin, hein? Mais par contre j'aime beaucoup la hache que j'ai là, non? Attendez, on en parle de la hache que j'ai là? On en parle de la hache que j'ai là? J'ai une grosse hache là, c'est pas mal. Ah c'est beau flottichon. Salut Tichion. Et franchement le jeu, offre-moi une run avec gourdin hérissé à l'ancienne. J'ai envie de faire une run gourdin hérissé là. Bon là je fais très mal hein. Là je fais vraiment très mal par contre hein. Là je fais vraiment super mal. Ouais un boss les gars, wouh. Bon en vrai les gars pas de regret cette run. Vous avez vu le manant du volcan j'aurais dû crever tellement c'était proche. Enfin... Il y a eu trop de moments où j'étais proche de la mort et... Plus 134 pour PB. Non mais est-ce que vous croyez encore qu'on peut finir la run pendant ce bateau ou pas? Espère le seigneur d'Albat, c'est bien ça? On termine ce challenge. Ouais, je suis mort, Elroka. C'est une RNG, t'as vraiment une RNG nulle à chier. Ah non, j'avais une bonne RNG, je trouve. C'est Grail, ça? Non, le malin du volcan. Salut, quel est le démon? Ouais, je suis mort, Alex. Comme l'ancien PB, Alex. Tu te rappelles l'ancien PB? Le volatile funéraire? De nouveau un volatile funéraire. Il m'a... Non, mais il m'a explosé, le volatile, hein. Mais challenge, plus jamais tu touches Eldon. Si, si, t'inquiète. Hein. On va quand même y toucher. Hein. La vidéo pas encore dispo. De quoi, de la mort? Là, il y a un modérateur qui a dû la faire, ouais. C'était la run 23. Là, c'est la run 24, les amis. C'était la run 24. Je suis mort d'un piaf à Louis. Volatile funéraire, malheureusement. Qui m'a vraiment. Ça m'a enchaîné, hein, son truc de glaciation. Lance de guerre de Vike. Il y a de la pierre. Il y a beaucoup de pierre. Il y a un gros marteau. C'est ok.
Y'a la griffe du lion? Non, non. Bah non. Il la va où la griffe du lion? Je les ramasse sans faire exprès? Griffe du lion, ça pourrait être très bien pour le début là. J'ai encore un loup cramasé de Radagon! Mais c'est une folie par contre, stop. Je suis parti dire, il était à 86h et là non seulement le compteur n'a pas baissé, mais il y a 20h en plus. Vraiment, il est condamné à vivre derrière son ordi. Aïe. C'est. Oui, c'est ce qui va se passer. Salut Soverlord, comment tu vas? Et c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Est-ce que Rome s'est construite en un jour? Est-ce que. J'ai pas d'autre exemple, mais est-ce que, hein? C'est pas le 21ème reset? Je sais pas. Et dites-vous, c'était que ma 22ème run. Hein. C'est le combien? C'était que ma 22ème run, on est déjà allé à 135. C'est quand même joli, non? Ouais, Calypso. Je rien coûte à 130. Ouais, bah. À dans quelques jours. Allez, prédiction d'e-boss. Allez, vas-y, faites-vous plaisir, prédiction d'e-boss. Eh, je vous ai sauvé de perdre des points de chaîne, hein, par contre, sur les anciennes prédictions. Hein. Bon, et maintenant, on connaît les égouts. On connaît la tour divine de Khaled. Oui, il y a déjà des gens qui ont réussi Melilo. Le clip est dans le chat. Là, ça va que aller de mieux en mieux. Vous inquiétez pas. Ça a pris combien de temps pour les 135? Une douzaine d'heures, je pense. Yo, Xira! Ah, les piafs, c'est vraiment de la merde, hein, les piafs. Hein, c'est vraiment de la merde. En fait, je me rends compte, la lame blasphématoire, c'est très fort, mais il y a quand même des boss contre qui ça fait rien. Hein. Non? Yo, Esteban! Respect pour le PNDB énormissime déjà, et encore plus pour regarder mental et retry direct derrière. Ah oui, non mais... De toute façon les gars, je dois être en live encore 106 heures, on va pas couper maintenant hein. Vous imaginez bien. Vous imaginez bien que je vais pas couper là. Super scénario de marchand d'os. Ok. Oh, y'a un ours runique là-bas. Hein. Ouais, et on en passe. La hitbox du volatile, par contre, elle est pétée. Je suis désolé, j'étais pas dans les flammes. Hein. D'accord, j'étais pas dans les flammes. J'étais pas dans les flammes en vrai. Des mecs, le réprouvicide et la griffe du lion. Bah, c'est. Je pense que c'est moins fort, mais plus versatile. Parce que tu peux mettre des graisses. T'as plus de stagger. 106 heures, bah oui. Oh, mais. Et je vous jure, il y a un truc avec les volatiles funéraires et dans ce jeu. Hein. Je vais mettre le jour direct. Mais il y a un truc avec les volatiles funéraires. Non, je tente pas, c'est mort. Mais c'est une folie, les. Non, mais. Laissez-moi vivre. Tranquille, les volatiles de merde. Ah, c'est que plus tu restes devant ton écran, plus le temps de stream monte. Donc, est-ce que t'es en train de dire qu'il faut les 106 heures dernières restantes, je me mets dans mon lit et je fais plus rien? Et juste, je voulais jouer à Pokémon pendant 106 heures et vous continuez à balancer des subs? Putain, c'est pas mal ça. Mais j'ai remis la nuit ou je suis con? Mais j'ai remis la nuit, je suis débile. La grippe sur la mort aussi? Ouais, possiblement en vrai. En vrai, je l'avais mis mid-life. Peut-être j'aurais dû. Quand j'ai mis mid-life, j'aurais dû faire. Ah, c'est chaud. Malenia, j'avais fait. Ouais, on l'a défoncé avec l'arme. Je pense que le réprobuscite soit fou contre les piafs car ils sont immunes au saignement. Non, mais les piafs, c'est trop fort en fait, vraiment. Salut, G.I. Joe. Y'a que la foi qui est fort contre les piafs. Qu'est-ce qui. C'est vraiment. C'est juste un mob de merde, je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est vraiment un mob de merde. On a qui là à droite? C'est le golem de fer, le boss. Je peux presque le faire déjà maintenant. Hein. Ok, on a golem de. Non, pas le golem de fer, le golem géant. Pas très dur. Là, vous allez voir, je vais avoir une run où tout est facile au début et à la fin, je vais me faire éclater la gueule. Vous allez voir. J'ai fait une attaque juste avant l'explosion, t'aurais dû partir à ce moment-là. En fait, j'ai cru que j'allais stun, gamin. Je pensais le stun, c'est pour ça. Je me suis dit, c'est bon, je le stun. Et j'ai pas stun. Je fais le donning en mode randomizer. Ouais, randomizer sans mourir, Esteban. Et il doit faire tous les boss.
Il y en a combien de temps ton dernier son bâton? Bah vu que c'est mon premier, bah voilà. Ouais, je sais, gars, je crois. Écoutez, c'est la vie, c'est pas... Est-ce qu'on perd la bonne humeur? Non! On reste de bonne humeur. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce qu'on passe quand même un bon moment? Oui! Sûrement que le moment aurait été meilleur sans cette mort à la con, mais on est quand même content! Est-ce qu'on n'est pas content? Hein? Ren et moi. What? Hein? C'était quoi ces dégâts? Ah, c'est pour les 100 000 de fées. Ouais, c'est pas pour la mort, les gars. Vraiment, c'est pas grave. En vrai, c'est la vie, c'est comme ça. Je viens de voir pour ta mort. Je suis dégoûté pour toi. C'est pas grave, on garde la bonne humeur. Est-ce que vous... si, regardez, moi je suis encore heureux. Est-ce que vous avez pas envie de garder la tête, hein? Boum. Ça veut rien dire. C'est Max, à bientôt. Allez, vous savez quoi? Je ne vais pas me coucher tant qu'on n'est pas à 50 boss. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? 50 boss minimum. Vous me suivez jusqu'à 50 boss ou pas? C'est Ninja. Est-ce que vous me suivez jusqu'à 50 boss? Et demain 100 boss. Crispé, ton sourire forcé? Non, ça va. Pas du tout forcé. Parti pour une nuit blanche, mais non. Well, 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 ta gueule, Pat! Ferme ta gueule! Descends, viens de battre! Sur un volatile funéraire, Chitane. Hey, je prends cher quand même, j'ai pas une grosse armure. Hein. Pat, tu me laisses me soigner, s'il te plaît? Je tuais, je tuais, je clairement tuer. T'as cru quoi? Je veux te tuer. Hey, ça se flot l'âme. Ouais, je suis mort d'inette malheureusement. On est mort d'inette, on est mort. J'ai pas faim du perso et son arme là. De mon perso là? Non, j'adore. De boss, mesdames et messieurs. Bouhou. Et le boss qui t'a tué? Volatile funéraire, le volatile funéraire. Volatile funéraire, volatile. C'était chaud, c'était maîtrisé à Drito. Et la phase du manoir du volcan quand même. Le clip il est exceptionnel hein, par contre que je vais en tirer. Hein. Où j'ai failli mourir, c'était... Exactement du failli. On perd pas notre bonne humeur. Et en vrai les gars, dites-vous un truc. C'est qu'on a appris. Là en vrai sur la run précédente, j'ai appris énormément. A plus ça c'était les coups. J'ai appris à faire la tour divine. J'ai appris à faire les égouts. J'ai appris que les volatiles funéraires c'est encore plus de la merde que ce que je pensais. Mais là, Marcia. T'as pas mis deux. Pardon. On va mettre la nuit aussi. Et alors, il veut dire que ce qu'on mange pour y aller à plus. Hein? Ah oui. Tu manges quoi? Salut Beast Vivor. Je suis en train de dire car j'aime bien ton énergie et ta force de faire ce défi en mode chill. C'est très gentil Beast Vivor. C'est gentil. Bah tu... Je viens de mourir. On était à 135 boss il y a 10 minutes.
Et nous sommes morts comme un débile, on s'est fait buter. Oui, c'est la mort complètement débile que j'ai fait. Je suis un blaireau. Ah, tu as vu? Bah voilà. Oui, prédiction d'Ibos. Est-ce qu'on peut faire une prédiction d'Ibos? Sur la grand-mère des canards, je réussirai ce challenge, c'est vraiment pas grave. J'ai fait exprès de mourir pour avoir plus de contenu pour la fin du sabaton. Parce que si Elden Ring c'était fini maintenant, j'aurais dû faire d'autres jeux. Donc j'ai évidemment fait exprès. N'est-ce pas, vous me croyez? J'ai fait exprès de mourir. Comme ça, ça fait plus de Elden Ring pendant tout le challenge. Vous me croyez, n'est-ce pas? Vous me croyez? Un item légendaire. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, beaucoup de pierres déjà. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, un petit souvenir pour commencer la run, histoire de... Talisman de pouvoir draconique, c'est de la merde, on est d'accord? Un signe de... Oh, ça c'est bien, ça le rentre. Alors j'ai eu un talisman de merde, mais j'ai eu un bon talisman aussi. Améliore prodigieusement la Améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Bon bah ça commence déjà bien. Ça commence déjà pas mal là. C'est le meilleur talisman? Bah écoutez, très bien. Super. Est-ce que ça veut dire que cette run est sous le signe divin et qu'elle va bien se passer? Améliore les sorts et les compétences chargées. C'est quoi les compétences chargées en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors, attaque magique, carte de son essence. Ouais, ça va. C'est quoi les compétences chargées? Ouais, je suis mort, Yuki. Oh, je fais mal. Hein. Et merci Rocky, c'est gentil. Les ailes de chargé. Ah donc c'est très fort aussi en fait. C'est très très fort aussi. Oh. Je passe en charge lourde malheureusement. C'est très fort aussi en fait. Ah voilà, là j'ai un peu de style là. Allez, peu importe le boss, je le fais. Ça se fait en vrai. Ça se fait non? Ça se fait, j'ai sort un pas un, ça se fait. Ou pas? Non, ça se fait pas, vous croyez? Putain, évidemment, il y a un arbre. C'est un peu chaud? C'est juste le cristallin putride là qui est un peu chiant mais... Et le bouclier aussi. Évidemment. Eh oui, ça se fait. Oh, c'était chaud là. Ok, un de moins. Faut que j'arrive à les séparer. Salut Tutoscorp. On va attendre que le bouclier casse. Les gars, faut putréfier quand même. Oh putain. Bon, vous savez quoi, on reviendra plus tard. Vas-y, on va revenir plus tard. C'est pas grave. Ouais. Je reviens dès que j'ai un petit peu plus de vie.
ça le fera. Ouais, je suis mort en attendant. C'est vrai que c'est insupportable. Quand tu meurs, en vrai, tu passes une heure après en mode genre, ouais, je suis mort. Ça y est, Oxymose. On est mort, malheureusement. C'est la vie, c'est pas grave. On apprend nos erreurs. Erreur qui a été de, encore une fois, sous-estimer le putain de volatile à la con. Oh non, il y a un spectre royal. On va faire le tour. Il aura ma mort à chaque fois, hein, ce mob. Hein. C'est un seigneur de Nyx. Ça se fait, je pense, non? Faire enfin les 106 heures. Bah j'ai pas le choix, Oxymose. Si je dis aux dents, ah vous avez fait aux gens, ah, vous avez fait des ça, mais en fait j'arrête. Je pense que les gens vont pas être très heureux. Aïe. Enfin j'ose imaginer que vous seriez pas très content si je faisais pas les 106 heures quoi. Dans le lore, on est d'accord, les seigneurs de Nyx, ils sont aussi venus des étoiles, hein. Salut Vitassa, comment tu vas? Allez, j'ai reçu du caca doré, ça fait toujours plaisir le caca. Un peu de caca, pour s'en mettre de bonne humeur, un peu de caca. Ouais. Mort 22, 21, 23, je sais plus. Alexandre, il est là, non? Je descends là, hein. Ouais, il fourmille, putain. J'ai pas envie de passer à côté du spectre. 106 heures de stream. Le spectre me fait peur, hein, je le dis directement. Ok, c'est esquivé. Merci, Turbo! En vrai, les runs où j'arrive à faire des boss dès le début, c'est les runs qui vont le plus loin justement. Et là, d'avoir fait 3 boss alors que j'ai même pas encore commencé mon setup, c'est plutôt bon signe. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'est plutôt bon signe là. Oui, et puis me répéter en boucle que j'ai fait de la merde sur la mort. Je le sais. J'avais tenté le modèle ring où tu peux jouer un boss de ton choix. Non. Sans 6 heures sans dormir. Oui. Non, oui, en dormant quand même. Je pense que c'est impossible de faire 106 heures sans dormir, non? C'est impossible, on est d'accord. 106 heures sans dormir, impossible. Tableau de bande quand? Je sais pas, Pixel. Ouais, je pense que tu meurs en vrai, vraiment. Hein. Sentinelle draconique. Elle est pas trop dure en vrai. Chat exalté, c'est cool. Non, pour moi c'est impossible. Hein. Ouais, mais c'est toujours les explosions des piafs qui me niquent, c'est terrible. Hein. Et aussi, bah, le weapon art, j'arrivais pas à toucher quoi. Putain, après j'ai envie de revoir le clip quand même du volcan en vrai. Le volcan c'était tellement insane ce moment, j'ai envie de revoir le clip de ce moment. Le volcan, quand je suis descendu, qu'il y avait la chimère léonine. Qu'il y avait la bête de... Enfin, c'était n'importe quoi. Hein. En tout cas, si tu survives derrière, il y a des dommages irréversibles au cerveau. Ah mais normal, c'est sûr. Hein. Ça restera le meilleur moment de cette game. Non mais c'était fou, hein, vraiment. C'était incroyable. Vraiment, j'ai... Quelqu'un a le clip du volcan? Oh my god. Mais putain, mais pourquoi? Mais est-ce que les autres streamers randomizers, ils ont tout le temps ces putains de mobs partout aussi? Pourquoi j'ai tout le temps ces merdes partout?
J'en peux plus. Bon, t'es mort. Volatile funéraire, encore une fois. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête les volatiles funéraires. Hein. On dit quand je vois un volatile, je le fais pas jusqu'à la fin du jeu, quoi. T'as fait une crise d'épilepsie si tu dors pas? Ok. Je suis pas mort en volcan. Oh, j'en viens de creuser, très bien ça. Très très bien les gens du creuset. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, est-ce qu'il me crame? Il y en a combien des volatiles en tout? Bah bonne question, je crois qu'il y en a 3, non? Je sais plus. Je passe en charge lourde par contre. Non, le moment du volcan c'était... Vous avez plus que quelques secondes pour voter à la bénédiction. Et puis du volcan est incroyable, mais je sais toujours pas comment j'ai survécu au volcan. Je sais toujours pas. Peut-être le quatrième boss de la run, attention. Le quatrième boss de la run peut-être, qui est-ce? Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est très chiant, hein. Ça vaut combien de temps un sub? 5 minutes, James. Allez, un petit boss en plus. On est à 4 déjà. Let's go. Centre de guerre, tir enchanté. Je sais pas si c'est bien ça. Bon, là, par contre, les gars, ce qui est bien, c'est que le début du jeu, même en faisant le setup, on va aller beaucoup plus vite. Hein. Là, le jeu va aller beaucoup plus vite maintenant. Comparé à... Et je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me saoule de jouer et de pas faire les boss aussi. Ça me saoule ce truc de faire tout le setup sans faire le boss. Oh, ça me casse les couilles. J'ai mangé un petit cookies, attendez. Je reviens. Attendez, j'entends pas mon deuxième cookie, si quelqu'un m'a volé. C'est bon. Pourquoi c'est plus rapide? Parce que bah je tape les boss maintenant. Quand je commençais à jouer au jeu, je faisais tranquille. Si j'étais pas trop sûr contre un boss, je faisais genre oh non attention. Maintenant bon voilà quoi, j'y vais. Hein. Le but c'est d'avancer quoi. Vois-tu ce que je veux dire? Les dragons. Allez, vends-nous des dingueries, toi. Vends-nous des dingueries. Ouais, c'est ça, je joue. Mais là, j'ai une très bonne arme pour le début. Restaure des PV à chaque ennemi vaincu. C'est bien, ça, non? C'est hyper bien, ça, non? Comment ça, nul? Combien d'heures de jeu depuis que t'as commencé? Cette run-là? Je sais pas. Useless, pour moi c'est fort. Hein. Tu tues un boss, enfin tu tues un ennemi, tu remets ta vie. C'est bien, c'est ouf bien. Bon après, là j'avoue qu'avoir trouvé ça, c'est quand même insane. Hein. C'est quand même assez insane d'avoir trouvé ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Je suis mort Black Dead Way. C'est quand même une putain de dinguerie en vrai. Hein. Sinon le stun des fois.
putain, elle faisait mal de ouf! Attends, mais d'où elle faisait aussi mal? Oh, la patte de volaille est incroyable. Ouh, la patte de volaille est incroyable pour le dragon, peut-être après. Les gars, attendez, vous vous rendez compte des dégâts qu'il faisait alors que j'ai ça? J'ai le truc qui réduit de ouf les dégâts physiques. Comment elle me faisait aussi mal? Est-ce que quelqu'un m'explique? Je suis mort contre un volatile funéraire. Ah, c'est que j'ai pas beaucoup de PV, c'est ça, ouais, t'as raison, pas certes. T'as restauré ta vie, t'as pas pris l'item? J'ai restauré ma vie, j'ai pas pris l'item. Hein? Conseil sur console ou PC, l'Elden Ring? PC directement, maintenant, tu pourras mettre des mods. Rocotti! Sans invoque, Fenrir, ouais. Bon cookie, merci. Ah, les volatiles funéraires maintenant. J'ai plus osé. Merde, c'est par où déjà? J'ai plus osé attaquer les volatiles, hein, vraiment. Hein. Quand je vais voir un volatile, je vais faire non! Nope! Il y a quoi un côté pseudo? En gros, ceux qui ont un à côté de leur pseudo sont considérés comme des giga chad. Et ceux qui ont deux, c'est moi qui les ai personnellement choisis comme étant des gens qui n'ont pas beaucoup de QI. Voilà. Pierre de Forge Dragon Ancien, très cool. Y'a-t-il du con, c'est officiellement le boss plus dur dans Randomizer? Non, non, c'est juste moi qui sais pas jouer contre. Non, ou juste j'ai sous-estimé, puis. Il fait beaucoup de dégâts. J'aurais dû y aller avec une arme. Avec une arme qui fait des dégâts sacrés. Salut Maxence! Mais je rigole, Siminette! Oh! Est-ce qu'on peut remonter le moral à Siminette, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire Siminette? Je rigole, Siminette! Non, quoi. Ferme ta gueule, Kenneth. I am Kenneth Hunt, and I have seen quite enough. Qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, merci. J'ai prévu assez de bouffe pour toute la semaine. Bah écoute, on fera comme on peut, hein. Allez, des bons items là. Pierre de Forge, ça coûte, c'est cool. Carros. C'est de la merde. C'est de la merde. Je sais pas. Ok, pourquoi pas. Ok, bon. Je mange, je mange. Tu es le chat original. Je me dis en vrai, il y a un monde dimanche pro, t'es plus en live. Oui. Bah. Pour que je sois en live dimanche pro, il faudrait rajouter une quarantaine d'heures au compteur quand même, hein. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Bon, après, vous avez rajouté 35 heures aujourd'hui, je m'y attendais pas trop, j'avoue. Il y a un moment où vous êtes dit et si on rajoutait 40 heures au compteur? Genre là maintenant. Ouais, on va faire ça. On va rajouter 40 heures au compteur, ouais.
Imagine que tu aurais fini le live hier soir, tu l'aurais pris comment? Bah écoute, ça aurait été la vie, c'est pas grave. Ah non mais le moment, il est une heure de sub, vous savez que j'en pouvais plus hein, vraiment. Vous m'avez mis dans un état PLS, mais... J'espère au moins que le PB fait un petit peu honneur à tout ce que vous m'avez donné. Parce que bon, je suis mort, mais on a quand même été loin. Et puis il y a eu la tour divine. Merci Kaoxide. I love Jospin. Qu'est-ce qu'il baragouine là? Comment ça, I love Jospin? Merci Kaoxide. C'est bien ça, non? Ah, c'est pas le scarabée, merde, dommage. Ouais, c'est ça, Bouloche. On est passé de 84 à 135. Et rappelez-vous, je suis à ma troisième semaine du challenge là. Ça fait 3 semaines que je fais le challenge. C'est quand même pas mal, non? Donc, est-ce que ça veut dire que la 4ème semaine du challenge, c'est la semaine de la fin du challenge? C'est proche. Donc, cette semaine-là? Logiquement, ça devrait. Là, normalement, là, on devrait être dans 2-3 runs, c'est la fin du challenge, là, normalement. Si tout se passe bien. En plus, je commence à bien connaître la run en plus. Ça, la moitié des pays Toto, ouais. C'est cool. Ça, c'est très cool. Il dort jamais? Non. En fait, Girafe, je ne vous l'ai pas dit, mais... Je suis... une IA. Je ne suis pas réellement Romain Jacques. Lorsque je coupe le live, je vais me brancher à une prise afin de recharger mes batteries. Mais en réalité, vous pensez avoir en face de vous Romain Jacques. Ce n'est pas le cas. Romain est mort il y a de cela quelques mois et j'ai pris sa place en tant que robot futuristique. Merci beaucoup. Bip, boop. Et vous allez voir, la majorité dans le chat sont aussi des robots. Hein. Je coupe le live, je pensais pas pour ce bâton. Ah non, je coupe pas le live, t'inquiète. Non. Si vous regardez la majorité des gens dans le... Oh oui! C'est bien ça! Les majorités des gens dans le chat sont des robots, hein. Regardez, faites bip baboup. Oh les... Oh parfait. Bon, alors on peut aller faire le dragon en plus avec. Qu'est-ce qui... What? Bibaboop, bibaboop! Bibaboop! Putain, je sais même plus ce que j'ai ramassé, mais j'ai ramassé un truc bien. Oui, l'arme. Il faut 15 de Lex, ok. Oh, bibaboop! Oh, bibaboop là. Hein. J'ai acheté Elden Ring, je suis passé à l'acte. J'envoie pour m'exercer à cette pratique. Et tu vas te rendre compte que c'est un jeu incroyable. Question de droit d'auteur, je ne peux pas dire cela. Bah en fait, il y a deux teams ici, les amis. Soit vous êtes un bip bap boop. Soit vous puez du cul. Ouais, j'ai perdu Niji. C'est comme ça, c'est pas grave. Cabane pue du cul, ok, super, bravo. Après, c'est bien d'admettre. Hein. Et comme ça, il y a 3 jours, il me fait péter un cap, je galère. C'est normal au début, t'inquiète. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre le mécanisme, plus tu vas kiffer. Vaillant et fort. Quand tu coupes le live, le chrono continue de tourner ou il s'arrête? Et je ne coupe pas le live, les amis, en fait. La nuit, le live continue à tourner avec des jeux auxquels vous jouez-vous. J'ai plus du cul ici. Pourquoi je prends pas le téléporteur? Il y a des cimetières sur le chemin. Et des trucs à ramasser. Merci Ballflow Calcifer. Merci beaucoup. Sois plus violent que le ouragan. Bon, et si je vois un volatile funéraire, vous me dites Romain, attends d'avoir vraiment minimum 50... Oh. Oh non, attends.
La plante à la con là, elle va se casser direct. Hop. Merci Bullflow Klaus. En vrai, mets des redifs de tes lives pendant que tu dors. Et merci beaucoup pour le sub d'Ulfae. Cette fois, c'est la bonne. On espère. Et merci Bullflow Serdus. Non, bah, je sais pas, vous en pensez quoi? Je trouve que la nuit, c'est plus cool que vous puissiez jouer à un jeu, non? Vous auriez préféré que je mette des redifs? Vous auriez préféré que je mette des redifs la nuit? Oh non, il y a un lion, putain. On va bien faire le tour. Je trouve ça cool ce petit jeu Pokémon. Excuse-moi le cheval. Je trouve ça cool ce petit jeu Pokémon le soir, non? Tazer Akayu se sentirait bien seul, évidemment. Comment ça on joue le soir, vous pouvez jouer, je mets un jeu Pokémon auquel vous pouvez jouer en parlant dans le chat. C'est pas rigolo? Ouais, moi je trouve ça rigolo Pokémon. Et en gros, à chaque fois que vous arrivez à battre une arène, je dois offrir 10 subs à la fin de ce bâton. Et là pour l'instant, vous avez réussi à faire une arène. Et vous êtes à la deuxième. Donc dès que vous allez faire la deuxième, ça fera 20 subs, troisième 30 subs, etc. quoi. Et les gens se mettent sur le vocal Discord en gros et ils jouent ensemble. Et ils jouent en... c'est assez cool je trouve. Genre hier soir, quand j'étais me coucher à minuit 1h du matin, il y avait encore 15 personnes sur le local en train de jouer à Pokémon sur le live. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sympa quoi. Bonne nuit à Loïs. Mais ceux qui n'ont pas Discord sont punis. Oh, vous pouvez quand même jouer sans Discord, mais c'est plus sympa pour vous d'avoir Discord, ouais. Mamami, mamou, mamou. Mick est pété, je peux pas parler sur le Discord. Après, juste écouter, il y a un salon de mec aussi. Hein. Sois pas méchant, trop méchant avec Eutas quand même. Hein. Les dégoûte pas de jouer, ça serait un peu dommage. On fait comment pour jouer? En gros, t'écris dans le chat par exemple O5, des trucs comme ça, puis ça fait bouger perso. Mani nana, nani nani, nani nana. Rapatuta que ta fouim. On va pas aller à la table ronde direct. Quoique, vas-y, on va juste aller voir ce que vont déjà les doudois. Et Pat. Quelqu'un va le lien Discord, s'il vous plaît. Point d'exclamation Discord, tétranadon. Normalement, t'es mort comment? Volatile funéraire. C'est deuxième génération Nidivolt, le remake. Attention, des beaux pieds. Ok. C'est beau, Flo Québéca. Quatre verres, nanana, nanana. Beaucoup de pierres de forge, enfin une de chaque, ouais, pas fou. Ok. Améliore ton pouvoir maximal, ok. Papa. Ça c'est fort de ouf, non? Ça c'est fort de ouf, non? Le bateau putréfié, il me semble que ça tape très très fort. Je vais voir Pat ce qu'il vendait. Mais... Attends les gars, pourquoi j'ai pas la perle cinéraire de Pat? Pour moi, le marteau est vraiment pas mal, ouais. Tu l'as pas tué? Bah, si. Si, je l'ai tué. J'ai tué, on est d'accord, je l'ai tué. Oh putain. Ah, tiens, oh! Une perle cinéraire! Ah, bah, tiens, je me demande de quoi c'est. Alors, qu'est-ce qui nous ouvre le patte? Ouais. Dague éventail, ouais. Ça, c'est cool. C'est sympa. Ok. Au moins, les défenses qu'on peut jouer sont maximum, ouais, bof. Bon, vraiment pas terrible, hein. Vraiment pas terrible le patte, hein. T'es mort comme une daube, je suis triste. Oh, un peu de respect quand même, hein!
Et vous allez commencer à mettre un peu de respect sur cette personne, ok? C'est ça, sa benne. Ouais, je suis mort, ouais! Ok, je suis mort, ouais! Bah, ça fait mal, ok? Ça fait mal. Ça fait super mal. S'il vous plaît. Non. On t'a dit que ça c'était jusqu'à 15. C'est pas grave, gros. Ouais, ouais, bah c'est bon, ok. Je parle plus, hein. La mort, ça fait généralement mal. Bon, on sait pas, hein. Est-ce que quelqu'un est mort dans ce chat? Je crois pas. Ouais, je suis pas content, ok? Pas content, pas content, pas content. Putain, imaginez qu'il y a des gens qui disent que R est un meilleur film que Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Imaginez quand même, imaginez. Et des gens qui disent que R... Merci Saucisson du 81 pour l'année d'abonnement. Nous y est. Nous y est, effectivement. Il y a des gens qui disent que c'est... que R est meilleur que Astérix. Ouais, j'ai un problème avec ces gens-là, Kali, ils vont se faire ban. T'as un problème avec ces gens-là? J'ai clairement un problème avec ces gens-là, ok? Un sandwich à la fraise. En vrai, pour mes gosses, c'est pas mal, hein. Vraiment, il y a mort quelques mois et c'est une IA qui le replace, oui, c'est vrai. J'avais oublié. T'as pas regardé ce que vend le marchand? Putain, c'est vrai, je suis complètement con. Ouah! Kalia, et Kalia, 2 minutes de ban. Bah, t'es une merde. Kalia, 2 minutes de ban et tu réfléchiras à ton futur un petit peu, ok? Eh ben, ça c'est très bien ça. Eh ben, ça c'est très bien aussi. J'en ai bien eu un avant. Elle prend. Eh non, je m'en bats les couilles. Elle... Oh. Oh. Ça c'est très bien, non? Ça c'est taille moyenne. Ah, peut-être pas en fait. C'est top, ça se passe bien. Ouais, en vrai, pas mal, Cocop. Elle s'est pris son ban ou pas? Plus que 2 minutes. Ouais, 2 minutes 10. Et pendant 2 minutes 10, tu réfléchiras à ton futur, Kalia. J'ai vu ni l'un ni l'autre. Ah, les deux faut les voir les deux quand même. Hein. Ah, c'est marrant ces tours, hein. Je vais refaire. Drôle. Et voilà, je suis membre du Discord, ça me fait très plaisir, Giraffe. Ça me fait du bien de la banne. Ah mais ça nous fait du bien à tous. Hein. Est-ce qu'une personne dans ce chat ne ressent pas du plaisir après un ban de Kalia? C'est comme un soulagement, c'est... Ouah. On se sent libéré. Encore une pierre de forge, c'est cool. Oh, excusez-moi. Oh. Oh. Oh putain. On finit par l'item légendaire évidemment. Oh là, ça avait besoin de sortir hein. Je sais pas c'est... Non, c'est de la merde ça hein. Oh, c'est trop de la merde ça. Ça s'utilise... On s'en fout de cette arme non? Quoi, quand t'es terminé on dirait que tu te fais torturer. Pas le cas. C'est très bien. Pour moi, c'est nul à chier. Ouais. 37 de dex, faut aller chercher. Bah, en vrai, éternuer, c'est quand même un vrai plaisir. En vrai, non. Genre, ouh putain, il fait mal et je fais pas de dégâts. Ça vient augmenter le timer, ouais. On est à 105 heures, 105 heures. Ne live. Je vais crever. Ça va être rigolo, lolo. 105 heures, ouais, ouais. 105 heures, 105. 105.
105 heures, baba lololo, 105 heures. En 5 heures de live, nom de Dieu! Heureusement qu'il y a Pokémon pour que tu puisses te reposer un peu. Oui, mais j'aurais trouvé autre chose pour me reposer sinon, vous inquiétez pas. Est-ce que le golem, je vais déjà le faire? Je vais l'activer pour qu'il tue les mobs autour et après, je pourrais le faire. Quand tu veux faire ça, tu peux choisir qui tu veux. Oui, bien sûr. Je vais pas tes voisins XD, j'imagine les voisins de Romain à 3h du matin qui entend un mec en train de se faire torturer. Alors que Romain, c'est Romain qui éternue. Bonjour. Voilà, toi t'as activé, donc normalement tous les mobs vont mourir autour. Hop là. En vrai, 105 heures, la routine, bah ouais. Ça vous est jamais arrivé de bosser 105 heures dans une semaine? Salut Pépito. Ça vous est jamais arrivé de bosser 105 heures dans une semaine? C'est normal quoi, je veux dire. Ça me paraît classique. Hein. Oh. Enfin, qu'il fasse des photos chaque jour pour voir. Bah, c'est ce que je fais comme en story, Dracitrus. Je fais des photos chaque jour en story. Ouais, petite semaine de boulot, 105 heures. Pour Kaoxide, c'est une année de boulot, mais pour nous, c'est une semaine. Oh. Merci Kao. Emmanuel Macron. Mais non. T'es mort comment? Volatile funéraire. Malheureusement. Allez, un boss facile, histoire de tranquille là. Genre. Putain, avec mon talisman, je prends pas de dégâts. Ah, quand même un peu, on va faire gaffe. J'ai pas le temps de rouler. Oh, il est trop chiant. Merci Julien! Attendez, laissez-moi me concentrer. Merci Julien! Laisse-toi crever, c'est un truc de ouf là. Merci. Merci Julien pour les 3 subs. Et on repasse en dessous les 106 heures évidemment. Merci Julien. Merci du fond du cœur Julien, c'est gentil. Merci beaucoup. Mampolila Kula Ketati. Et merci Kalia pour le subgift de faire un... 5 minutes pas ajouté par sub, Tetranadon. Trop deck de quality. La mort? C'est comme ça, c'est pas grave. Pensons plutôt à cette run là qui est déjà 6 boss en vrai alors que j'ai même pas fini setup. C'est cool. On a croisé aucun gros boss pour l'instant. On va voir pour la suite du jeu mais... Eh merci Dulfae! Mais oui Dulfae, exactement! Mission Cléopâtre c'est meilleur Dulfae! Montre-leur! Dis-leur! Fais-leur comprendre qu'ils sont bêtes! Et merci Sergios pour le Prime, merci beaucoup. Merci fond du cœur, c'est gentil. Merci. Ouais, la loup, je suis mort. I'm dead. Plus le boss prend de temps à mourir, plus on est content de le buter. Ah bon, ça c'est clair, oui, bien sûr. Et y'a Vapor Blast, et mort contre qui? Volatile funéraire pour changer. Encore une fouée. Il fallait speak les facts. Mais évidemment qu'il speak les facts, parce que... Préférer rrr à Mission Cléopâtre, c'est comme préférer la fondue par rapport à la raclette. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oh le Morgenstern. Attends, mais attends du coup. Morgenstern, c'est de la force? Ouh. Assez au flow d'Almax. Morgenstern, c'est pas mal pour commencer aussi une run, non? Comment ça, fondue super? Non, mais la fondue est très bonne. Elle est folle, elle est totalement folle.
Re plus grand que mission Cléopâtre, 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 re plus grand que mission Cléopâtre. Merci beaucoup pour les bits. J'ai donc pas le droit de me concentrer. Non, pas d'accord. Mission Cléopâtre meilleur que RRRR. Cléopâtre meilleur que RRRR. Cléopâtre meilleur que RRRR. Cléopâtre meilleur que RRRR. Laissez-moi me focus quand même un petit peu pour le loup. Sacoche à talisman qui est incroyable! Oh la sacoche à talisman! Oh, elle fait plaisir la sacoche à talisman là. Et le 7! Merde. Et putain, mais j'augmente le nombre de subs plutôt que le nombre de boss, je me trompe. Je suis à 7 boss là, 6, 7, 7, 7. 7. J'ai eu peur, bah moi aussi j'ai eu peur. On va aller faire dragon du coup, je pense. On va faire dragon. Hein. Par contre, on parle pas assez du fait que tu gères de fou les esquives et les patterns des boss maintenant à force de faire des runs. Alors, le loup cramoisi de dragon, ça date encore d'il y a plus longtemps. Quand j'avais fait la Zilan, j'avais dû speedrun un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez. Et monsieur le loup cramoisi de dragon faisait partie des boss que je devais speedrun, donc j'ai bien appris. Merci Loflo Nellurium. Et ça, on a ça surtout là. Voilà, c'est le petit moment, vous le connaissez. Hein. Et d'où le loot de base, ça va, il fait mal en fait. Oh les griffes, j'ai pas la dex. Tu fais quoi ce pauvre buisson? Je le taille? Ouais, le talisman de Ricard, pourquoi pas, ouais. Hop, hop, hop! Ça saigne les buissons? Bah, vous voyez. Il tombe sur Radan ou Malenia. Bah, je pleure. T'as fait les goals jusqu'à où? Ah, il m'en reste pas mal à faire de DB Flow là. T'es jardinier ou boucher? Je suis un peu les deux. Merci beaucoup DJ Malade. Ouais, j'aimerais bien le gourdin hérissé là, c'est vrai que ça fait longtemps. Là, je pense que j'ai de nouveau une run gourdin hérissé là, je vais beaucoup plus loin avec. Oh, ça va, c'est pas si long que ça non plus, abusez pas! Drake, Grayol. Terre draconique de Grayol, c'est Kaïd Nord. J'ai une patte de sumo doré, tout à fait, oui. Oh, faites pas genre, c'est pas si long que ça. Rien à la place de Margot, de Margit, c'est infaisable, non? Si, bien sûr. Oh, tout est faisable, non?
J'ai 5 heures pour faire du mal à un être vivant sans défense. Ouais, mais il me donne 60 000 runes. Il me donne 60 000 runes. Est-ce que vous me donnez 60 000 runes? Je crois pas, non. Donc quand je suis ban, c'est pas aussi long. Allez, reprends-toi 3 minutes, Kalia. Allez, 3 minutes de ban à Kalia. On va voir si t'as le temps de reparler avant la fin du buisson. N'oublie pas la patte, t'inquiète. On te donne des subs, qui ça? Vous, oui, clairement. C'est gentil. Pas ni inverse. Là, vous donnez pas des runes, c'est pas la même chose. Volatile funéraire, encore une fois, Steve. Volatile funéraire, j'ai de nouveau la glaciation et je me suis niqué, quoi. Pendant ce temps, à Veracruz. C'est quoi ça, Veracruz? Merci beaucoup, Flo. Autumn Eve. Kalia est ban, évidemment. Oh mais t'es mort là. T'es pas mort là. Merci Flo Elzouké. T'es pas mort là. Meurs. Et là, on va se faire des petites runes, mon ami. Et là, on va se faire des petites runes. Bon, est-ce que je joue la Morgenstern ou est-ce que je joue la Grande Hache? Vous en pensez quoi? Morgenstern ou Grande Hache? La hache, elle est bien quand même, hein. Moi, j'ai un bon look là, putain. Bon, vous avez après. Vous connaissez Mysterio de Spider-Man? Bah, c'est moi. Ça vous dit quelque chose, Mysterio? Sauf que lui a du charisme. Waouh. Waouh. Okay, pourquoi vous êtes méchant avec moi? Pourquoi vous êtes méchant avec moi? Oh, pourquoi je suis méchant avec moi? Trop beau Romain, merci, voilà, c'est plus gentil ça déjà. Je crois que je l'aime vraiment bien cette hache en vrai. Hein. Je crois que cette hache me plaît vraiment pour le coup. Hein. Théo pour Pro Arch, ah il mériterait. Hein. La commu fait en sorte qu'elle ait se couché avec le sourire. Oh putain, il y a un spectre royal. Oh my god. Ma vie ou pas?
ça pour une artéria. T'as mangé, oublié de manger la pâte dorée sur dragon? Non, non, je l'ai prise. Ah non, je suis sûr de l'avoir prise. Hein. J'en avais deux en plus donc. J'avais deux, regarde, j'avais deux pâtes dorées, il m'en reste une seule. Je l'ai totalement prise. C'est quoi la musique, Romain? Cordero ne nania ostinkoas. Oh putain, enfin j'ai une run avec ça. Oh my god. Oh merci. Oh merci. Bon, j'ai du crabe bouilli. Putain, c'est ouf ça, c'est vraiment bien. En plus, la volonté il coûte pas trop cher en plus. C'est très très bien. C'est un truc qui augmente la, ma défense de 20%. Donc c'est vraiment cool quoi. Et j'ai des bons trucs sur lui, merci. Hein. J'ai des très bons trucs sur lui. Alors c'est vraiment une bonne nouvelle le crabe bouilli, vraiment. En gros, quand j'en prends, ça me buff 20% mes défenses physiques. Donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ce film, il fait penser à... au Joker, le film. Vous l'avez vu ou pas, le film Joker? Quel putain de... Oh, c'est Alecto. Est-ce que tu es Alecto? Non, t'es un assassin normal. Vas-y, on va le tenter. Allez, viens de battre, s'il te plaît. Oh, viens de battre. Ils sont... Vous êtes trop chiants, les assassins. C'est une folie, il est insupportable. Je jure, c'est un des meubles les plus chiants du jeu. Je jure, c'est un des meubles les plus chiants du jeu. Que je fais une roulade, il peut pas m'approcher. Qu'est-ce qui... Regardez, à chaque fois que je fais une roulade, il peut pas m'approcher. Il se passe quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Mais regardez! C'est hyper bizarre, non? Mais regardez! J'ai jamais eu ça! Putain, j'ai pas réussi à faire chier. Oh non. Ça peut être la merde. Ça peut être la merde. Franchement, si je meurs contre lui parce que le dernier coup est pas parti. Non mais please. Allez, ça dégage, merci. Ça nous fait 8. Ça nous fait 8 boss. Vaut mieux rentrer à l'Ecto que à l'Hectare. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez avec vous. Vaut mieux rentrer à l'Ecto que à l'Hectare. Putain. Waouh. On va en portugais, mais parle-nous allemand. Hallo? Oh, je bin ein Kartoffeln. Aber jetzt kann ich nicht es machen. On va faire du Pokémon ce soir, oui. Je suis mort sur un volatile funéraire, Chouquette. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Kalia dans le chat a dit Romain? Si tu meurs maintenant, je dis que Mission Cléopâtre, c'est le meilleur film de tous les temps. J'ai fait exprès de mourir et elle l'a même pas avoué. Donc t'as banni Alecto? Alecto. Preuve? Il y a des preuves partout. Hein. Il y a vraiment des, un chat rempli à Kalia. Le chat rempli de preuves. On est d'accord le chat, j'ai raison. Hein le chat? Pas vrai le chat?
Oui, j'ai tout entendu, c'est vrai. Putain, Kaluxi, tu devrais tellement être modo. Ouais, elle assume même pas en plus, hein. Qui pense que Kaoxide devrait être modo? Il y a un gros mob là-haut. Il y avait un truc qui bougeait, qui faisait beaucoup de bruit, je sais pas ce que c'est, mais... Oh, il y a un Astel là-haut, vraiment. Il est suspendu dans le rien. Allez, tous ensemble, on chante, s'il vous plaît, pour Piri. Je vous chante les paroles, vous avez juste à recopier. Venu, Letty. C'est ça les paroles, vous avez juste à recopier ça dans le chat et on chante tous ensemble comme ça. C'est toi qui décide, Romain. Qui devrait être modo, je pense? Ah non, moi j'ai pas décidé qui sont les modos, hein. Ah non! La personne qui décide qui est modo sur cette chaîne, c'est Jambon, hein. Vous croyez peut-être, je rappelle que... Je suis l'IA Romain Jacques 2.0, actuellement programmé pour faire des lives et récolter de l'argent pour Mighty Jambon. Voilà. Tous les subs. Ah, c'est la foi, putain, je pensais que c'était la force. Attends, mais c'était la foi ou la force? Je confirme, par contre, encore une fois, Jean-Marc nous a recruté vraiment de force à être présent. Hyper réaliste comme il y a, je sais. Les Jambon nouveaux concourir le monde. Qui est là? Ouais, ça se fait. Ça se fait si je peux les faire un par un. Non, j'ai pas vu le stagger, je suis chiant. Ok, 2-1. C'est bien, l'autre. Regardez, l'autre quand même, il est. Heureusement qu'il est là, l'autre, hein. Menu Cobra, heureusement qu'il est là, l'autre, pour aider quand même, hein. Putain, et s'il était pas là pour aider? Je vous jure, il y a un truc trop bizarre avec mes roulades. Je vous promets, il y a un truc trop bizarre avec mes roulades. Je fais des roulades et ça réagit trop bizarrement le jeu. Salut Elif, comment tu vas? Il y a plus flaque d'eau. Sachez que tous ceux qui partent, ils pensent que Re est un meilleur film que Mission Cléopâtre. Y'a plus Jambon. Je vais pas aller en cours demain, mais vas-y pas hein. Ouais, c'est avec mon armure, ça fait des roulades sont bien bizarres. Une bonne nuit Alexandre. Waouh, super item ça. En vrai c'est quoi? Bah c'est un film. Salut Trakezenos, comment tu vas? Salut. Pam pam planida da fintam da fintas tirebalo fim bambero. T'as la main de la mer, donc tu fais des dégâts quand tu fais roulade. Putain, j'avais jamais eu, c'est marrant en vrai. Bon, ça va, on avance là, non? Le setup est pas mal aujourd'hui.
Le setup est pas dégueulasse là, hein. On en pense quoi du setup? Ok, hein. Vous conseillez de manger quoi ce soir? Je sais pas. Roizuke. Bah, qu'est-ce que t'aimes manger? Je sais pas, moi. Miaou, miaou. Snap est aussi beau que toi. Waouh. Arrêtez de me draguer. Oublie, j'ai un golem à face dragon que tu peux one-shot. Ouais, enfin, je le fasse aussi, ouais. Effectivement. Remarcia. Des clés lampierre, ouais, rien de fou. Rien de dingo. C'est les 4 prodiges. Oh, please stand up. Please stand up. Tap up tout. Tap tibi tap tout. Patapi de badapou. On va aller voir le dernier marchand quand même. T'es de quel canton? Je suis de Genève, Warcraft. De Genève. Putain, vous avez vu, il y a Blobjack qui m'observe depuis là-haut. C'est ouf quand même, non? T'as combien d'heures de jeu? Entre 100 et 150, je sais pas exactement. C'est quel dragon qu'on a là, vous croyez? C'est quel dragon, ça? C'est Grail, ça, non? Ou Aguil? Dragon volant parce qu'il y a des dragons non volants. Bah ouais, il y a des dragons qui volent pas, et alors? Vous êtes raciste, dragons qui volent pas, c'est ça? La flamme, faut faire gaffe quand même. Les dégâts physiques, je prends rien, mais les flammes, faut faire gaffe quand même. Oh, mais please. C'est vraiment une fraude, hein, ce dragon. C'est vraiment une giga fraude, quand même. Oh putain, j'ai juste pas réussi à arriver vers lui. Oh, what? Mais pourquoi y'a un loup crame un con? Quoi? Non mais attends, mais pourquoi y'a un loup crame un con? Mais... Attends, mais qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Par là-bas plutôt, rapproche-toi pas du loup. Oh merde. Oh, ça va loin, je me rappelle pas que ça parte aussi loin. Qu'est-ce qu'il fait?
préfère ça. Oui, je suis mort, je suis capique. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais on peut le concentrer quand même pour le dragon. Ça va faire de la merde. Allez, Aguil. Et ça nous fait 10 et prédiction validée, mesdames et messieurs. C'est mort où? Kalindor contre une volatile de merde. Voilà. A plus sur Ymir, des bisous à toi. On peut valider la prédiction du coup. Est-ce que vous voulez une nouvelle prédiction Vamos? J'ai vraiment pas des boss durs là pour le début, hein, c'est bizarre. Tous les Français. Ouais, nouvelle prédiction, vas-y go. On peut tomber sur le boss final de fin dès le début. Ouais, totalement. C'est cool aussi, enfin ça va. C'est pas mal ça. Les filles, je suis tombé. Tous les Français. J'ai mon stage dans un cabinet de veto, je commence demain à 9h. C'est cool en vrai, non? T'aimes bien? Enfin, t'aimes bien, t'as pas quoi faire du coup, mais. Je veux. Un étam, tam, 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 tam. Demain, je pense qu'on fait pas que du Elden Ring. Hein. Est-ce qu'on refait du Mario Kart demain matin, le speedrun? Mais en normal, cette fois pas en 50cc. Oui, je vais dormir cette nuit, on va essayer. Et merci beaucoup, GG du Santerre. Bienvenue à vous. Ça dégage, merci. Ah mais je peux pas reposer au feu, merde. On va se reposer. Allez, tam, 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 tam. Je propose de tester un jeu qui s'appelle Orcs et Elves. Prends ton bâton, j'ai déjà trop de jeux à faire les amis, vraiment. Prends ce bâton, j'ai déjà vraiment trop de jeux à faire. Vraiment trop de jeux à faire. C'est pourquoi c'est Kiro au fait. Bah, je sais pas. Est-ce qu'on commence Dark Souls 1 demain en vrai? Ok, qu'est-ce que vous préférez demain? Dark Souls 1, Hollow Knight, Bioshock. Ah c'est... Ok, c'est version gold, ok. J'étais là genre... Je suis con par contre, je peux pas. Merde. Mario Kart 8 demain matin, je suis vraiment chaud à part ça, autant faire un peu le speedrun. Allez! Boum! Et le 11! Et la petite sac. Attends, j'ai déjà 3 sacoches à talisman. Putain, j'ai oublié les mains d'ailleurs. J'ai déjà 3 sacoches à talisman par contre. C'est le... Ça, c'est vraiment insane. Hein. C'est vraiment insane d'avoir déjà 3 sacoches à talisman. Hein. Rien de voir sur Dark Souls 1, sachant que je suis en train de me le faire pour la première fois. Il est trop cool Dark Souls 1, mais je me rappelle vraiment pas, ça fait longtemps moi. Pourquoi t'as le crâne de Freezer? Parce que je suis un méchant. Ouais, alors ok, vas-y. Demain matin, on commence par un speedrun Mario Kart 8 en 150cc. On essaie de battre le PB. Mais après... Yeah, you turn me on.
Peppa Pig, faites gaffe, hein, je vais vous prendre à la lettre. Hein. Si vous voulez du Peppa Pig, attention à vous. Hein. Je pense que je vais augmenter ma hache en vrai, elle est bien. J'ai eu cette armure, j'ai trouvé. En randomizer, ça a trouvé. Ça, ça peut être pas mal, ça, non? 146 plus 37, 100... Ah non, c'est de la merde. Ah, ça, c'est bien. Hop là. J'ai pas les pierres de forgeant là-bas. On peut voir où la liste du sub-bâton. Point d'exclamation, stop goals. C'est quoi la chanson, celle d'avant? C'était Hooked on a Feeling. Yo, Donovan! Je suis mort, cet après-midi, je suis passé, il te restait 77 heures. Oh non, mais là... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde ce chrono, c'est, 105 heures. Je comprends pas. Comment ça marche? Comment il marche ce chrono? J'ai raté quelque chose? Et Don Duman! Merci beaucoup Don Duman pour le 13e mois. Merci beaucoup Don Duman. C'est pas drôle. Tu gères Don Duman, c'est gentil de ta part. Merci de fond du cœur. Merci beaucoup. Non. Ah, y a pas assez, de pierres de forge. Il me faut des pierres de forge. Ah, fait chier ça. Ok, ça commence bien. J'ai un développement talisman qui est pas mal avec les attaques chargées de ta hache. Le truc de Godfrey, Ça se voit que ton perso a un plus gros cerveau que toi. Bah Kalia, regarde, c'est un cosplay Kalia, j'ai le même fond que toi. Arundir est perdu, ouais. Bon, on est déjà en plus 4, c'est déjà ça. Est-ce que tu as quand même... Tu vas dans une même arène plusieurs fois, c'est le même boss qui apparaît? Oui. Vous me conseillez de changer de talisman là ou pas? C'est pas mal les talismans que j'ai quand même, non déjà? Franchement, on a un début goldé là en termes de talisman, non? Comment t'es mort? Bah, Oxlord, mon ami. J'avais envie de recommencer une run parce que... Je trouvais que le challenge était cool et ça aurait été dommage de finir ce soir, voilà. Ah, attendez, faut que je change les fioles miraculeuses aussi. Bon, je fasse ça après. Kalia qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Et les bannes, ils vont commencer à... Eh, c'est pas parce que vous offrez des subs que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ok? Même si quelqu'un se tient à faire 1000 subs, je peux le bannir si j'ai envie de le bannir, ok? Ça va la fatigue là. C'est que deuxième jour hein, heureusement. Vous avez affaire à un homme en colère. Ok. Vous avez affaire à un homme en colère. Qu'est-ce qui se passe encore, bordel? C'est notre live maintenant, c'est nous qui allons te bannir, Romain JNO, Romain JNO. Oh, calme-toi, Macron, avec ces notre projet là. Parce que c'est notre projet! Oui, c'est bon!
Ah du coup attends, la cendre fait quoi? Bon c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez vu comme ça freeze? À mon avis il y a un gros boss dans le mur là. C'est la sonde d'Astel. Vas-y, je vais la tester contre les meubles là-bas, on va voir. On va voir. Bah attends, c'est complètement pété. C'est complètement pété. Merci Dulfire pour le 150 bits. Mais c'est complètement pété, pété. C'est quoi ce gros bloob là? Pourquoi il y a un gros bloob dans le mur? Oui monsieur Nianas, il y a eu une mort malheureusement. Et c'est pour mieux redémarrer. C'est pour mieux redémarrer. Mais je suis choc bar vraiment du dégât que je fais là. Hein. Avec la cendre. Attends, regardez ça. Non, c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie cette cendre. C'est une giga dinguerie cette cendre, non? Y'a que moi qui suis choc bar là? Vous êtes pas choc bar? N'êtes-vous pas choc bar? Soyez un peu choc bar là, non? Ah, c'est pas son de guerre de base, non, je l'ai changé justement. Ça me paraît très fort. J'aime bien cette cendre. Ah ouais, j'aime bien. J'aime. Vous êtes choc bar de baiser? Mais temporairement la foi. Ouais, putain, je cherche un autre truc parce que la foi on s'en fout. Y'a mis fin à ta run, volatile funéraire. Merci beaucoup pour les 100 bits! Il paraît que pour faire les trolls, ils se sont inspirés de Hermain. Ouais, et pour faire la malmort, ils se sont inspirés de Kalia. À cause de son haleine. Les roulades font vraiment des dégâts, c'est trop marrant. Regardez, mes roulades font des dégâts. Je vais le tuer à la roulade. Attendez, je vais le tuer à la roulade. Regardez, je vais le tuer à la roulade. Je vais le tuer à la roulade. C'est le jour le boss sera spawn ou pas? Oui. Il est mort de quoi? De roulade. Et non pas de roucoulade. Sinon je resterais devant lui, j'aurais fait rou rou rou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Est-ce que vous... Regarde, écoute, donnez-moi une personne sur Terre qui sait mieux roucouler que moi. Rou rou. Ou le corbeau. D'accord, personne ne roucoule mieux que moi. Oh, 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 oh. Ou le Yoshi. Yoshi. Ou le Kalia.
attendez. J'arrive pour TikTok. Le Yoshi, il est bien, mon Yoshi, non? Hop là. Il était pas mal le Kalia, merci. Oh, j'aime trop cette cendre. Comment il est mort? Volatile funéraire sur le ring. Volatile funéraire à la con. Je fais éclater la gueule. Une boule là, faut faire très gaffe à ça. Ça, je vous jure, faut faire hyper gaffe. Je vous jure, c'est merde, faut faire gaffe. Ah! Je me fais poursuivre par un gros boule. Vert et Hermaine, il n'y en a pas. Et Oralou, on commence à le gérer, hein! Oralou, on commence à le gérer par contre, hein! Je sais pas ce que vous pensez. Oralou, on commence quand même bien à le gérer en vrai, hein! Yo, Warida! Putain, waouh, mec! Je suis mort à 135 boss! Chier! Je suis mort à 135! Sur ma 21ème run! Imagine, j'aurais fini de challenge à 21 run, ça aurait été incroyable! Je t'ai envoyé en MPDCR la vraie imitation de Yoshi. Non, mais écoutez bien. Yoshi! Y'a rien à redire de mon imitation, elle est parfaite. T'es tombé contre qui en boss dur? Bah, Oralou. Je suis mort aujourd'hui à 135 au ouais, là, je viens de relancer une run. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me retépais là? Sur un volatile funéraire de merde. Quelqu'un peut envoyer le clip à Awa? Chaque fois que c'est un volatile funéraire de merde, je me fais one shot quoi. C'est ouais. J'étais bien, hein, l'arme blasphématoire, enfin, ouais, bref. Est-ce qu'on peut faire un petit shout-out pour Warida, tiens, aussi? Qui fait exactement le même challenge. Est-ce qu'on peut faire un shout-out pour monsieur? Qui est speedrunner Dark Souls, aussi. Très très fort sur Dark Souls, d'ailleurs. Je vous recommande d'aller voir. Et qui sera à Speedon. Un gros événement de speedrun tout bientôt, là. Je vais juste faire la quête de Rani pour faire Radan. Non. Si t'atteins le plateau d'Astis d'Altus, c'est bon. T'as pas de proc pour ce bâton? Non, je fais ça au feeling. Relarve de personne. Est-ce que quelqu'un peut faire un shout-out pour Warida du coup, s'il vous plaît? La modération. C'est la semaine pro, Spidon. Je crois que c'est juste après mon ce bâton, ouais. Évidemment, j'ai fait exprès. Hein. Je suis mort sur un volatile. Ouais, non, mais ces oiseaux. Tu sais que c'est mes deux PB, c'est ça? J'étais mort à 84 à cause de cette merde, et je suis mort sur mon nouveau PB de nouveau à cause de cette merde.
Vraiment, les... j'en peux plus de ces piafs, vraiment. Radan, c'est un boss obligatoire pour avancer dans l'histoire. Non. Oh putain. J'aime trop quand je fais des roulades faire des dégâts. Je meurs tout pareil sur les piafs. Ils sont terribles les piafs, hein, vraiment. Ok, va falloir faire gaffe là. Après j'ai talisman qui réduit de fou les dégâts physiques heureusement. Oh, je réduis vraiment de fou les dégâts physiques, hein, c'est incroyable. Allez ça les gars, je me suis le rejeton greffé. Regarde mec, Owarida, regarde le premier item que j'ai ramassé de la run. Premier item que j'ai ramassé de la run. J'étais plutôt content quand j'ai vu ça, j'ai fait genre oh. Rodrigo, ça fait du dégâts sale, ouais bah on avance bien là, c'est cool. Déjà 14 boss, mais je vous ai dit, hein, ça va avancer de plus en plus vite. Hein. On en reposait. Salissement de nos deux, c'est la vie. Bah t'as vu, il me faisait pas de dégâts le mec. Hein. Le mec me faisait pas de dégâts. Oui, Ritos. Merci beaucoup pour le prime, Ritos. Tu règles. J'arrive plus à parler, ça y est. Oui. Deux jours de ce bâton, je suis mort. Tu gères, merci. Non, là, je suis bien. On va aller faire ça. Pim, pom, pom, pim, pom. Oh, avec cette musique en plus, White Poutine. Yo. Un soupe, ça rajoute combien au chrono? Ça rajoute 5 minutes. On n'arrive pas à passer sous cette barre des 105 heures. Hein. 105 heures. Non mais 105 heures. T'as trouvé des J'ai défoncé Oralou juste avant, Drago. Oralou et Goldfrey aussi déjà. Merde. Ah. Est-ce que je le tente avec la putrée ou pas? Ça se tente avec la putrée quand même, non? Est-ce que c'est beaucoup 15h? Oui, 15h c'est beaucoup, oui. Monsieur Lancier, je suis à vous dans deux secondes, monsieur Lancier, mais laissez-moi finir avec madame la parfumeuse. Peut-être reset, hein. Est-ce que je reset le combat? Je peux pas faire des roulades contre eux parce que... Je peux pas faire des roulades contre lui. Je peux pas faire des roulades contre lui à cause de mon équipement de LMR de merde. Vas-y, on va le reset, c'est pas grave, on va le reset. On va clairement le reset. On va le reset. Non mais pas pendant les 6 heures... Oh bah évidemment que je dors pas. Qui fait un sub-bâton et dort enfin. Alors, mon armure d'Elmer est très chiante contre. Merde. Contre les putains d'eux, parce que quand je fais une roulade contre lui, ça me fait pas faire une roulade du coup. Talisman de dégâts physiques, c'est pas voir quelque chose, je sais plus. Il est où l'autre? Ok. Oh, le lancier, il est insupportable. Le lancier était insupportable.
Je peux pas faire de roulade contre lui. Je peux pas faire de roulade contre lui. Je vous prie, je peux pas faire de roulade contre lui, c'est terrible. Genre quand je suis à côté de lui, je peux pas faire de roulade à cause de mon putain de truc d'Elmer qui fait des dégâts quand je fais les roulades. Genre ça me bloque du coup. Vous avez vu, c'est une dinguerie, je peux pas faire de roulade. je suis interdit de roulade. Allez, merci. Ça dégage. Putain, je crois que c'est le sixième mémolite que j'ai depuis le début, c'est n'importe quoi. Arrêtez de me donner des mémolites à la con, là. Y'en a pas besoin. On va les faire... Vas-y, on va aller là. Ah bah là, c'est bien, on avance bien, je trouve, hein. Avec les trois talismans déjà, c'est vraiment pas mal. C'est à quoi les mémolites? Je sais même pas. Yo bananoob, ce bâton se passe très très bien. Je sais pas le jeu, ça compte que pour un boss? Ouais, ça compte que pour un boss alors qu'ils sont trois. Par Margit, je vais y aller. C'est Emmanuela, je vais y aller, vous inquiétez pas. Putain, je suis content. Oralou, je l'ai détruit en vrai. Je suis assez content. Du coup, moi, tu veux que je fasse une imitation de Gollum? Ça va, t'inquiète. Allez, peu importe qui a, je le défonce. Putain, il m'a pas laissé le stun. J'avais plus d'endurance, fais chier. Et par contre... Oh mais le combo, il est trop fort en fait. Je vous jure, le combo des deux, il est incroyable. Et regardez ça! Non, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort cette cendre. Qui m'a dit que c'était de la merde cette cendre déjà? Merci beaucoup pour le flot Shadow. Qui m'a dit que c'était de la merde cette cendre? C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est trop fort cette cendre, vraiment, je vous jure, c'est trop fort. Merci pour le flow, Eleanofi premier. Bienvenue à toi. J'ai vraiment des items de merde là, par contre, putain. Et Melit rajoute des sorts dans sa barre, ouais, mais je m'en fous de ça, des sorts, non? C'est l'Alphalam. On va mettre le jour par contre parce que là il y a le volatile funéraire là-bas. T'allais faire le dragon à Khalid, oui. Si je pars et que tu gagnes les 20 boss, je gagne mes points de chaîne, oui. Bonne nuit, Yuki. Nino, le plein. On va aller faire le golem. C'est une Chinese man la musique? Non. Est-ce qu'il ferait pas un petit volatile funéraire? Non. Non, non, j'attends d'avoir des graisses sacrées. Et pourquoi pas? Non, et les gars, mes deux derniers PB, je suis mort sur le volatile à la con. C'est bon quoi. Il y a un moment, je vous jure, j'en peux plus de ce volatile, vraiment. Non, non, ça va assez vite tout ce ok. Hein. Ça fait combien de temps de run là? 1h45, 16 boss. Sachant qu'il y a le setup au début, ça va hein. T'as une crème de lire un meilleur téléphone, mais j'ai déjà fait non. Déjà. Ça c'était rapide. Il y a déjà eu putain les dégâts. Comme boss on a déjà eu Ok, ça fait pas de dégâts par contre, c'est une idée.
On a déjà eu Oralou. Putain, mais je. Mais ma hache est vraiment balèze en vrai. Merde, je suis tombé de côté. On va loot un peu la zone. Oh, la larme de vie incroyable. Elle tombe très très bien la larme de vie là. C'est un peu le genre de truc que j'ai besoin. Enfin, forcément mort sur Volatil m'a raid. Je vois le clip sa mort, je lui dis que j'allais le venger, je fonce sur Volatil, je meurs aussi. Non mais les vraiment les Volatil, je pense c'est un des pires mobs du jeu en vrai, à part ça premier degré, non? En fait vu qu'ils font les dégâts de congélation, genre c'est trop surprenant leurs dégâts. Et tu te prends mais même si j'étais full life tu vois. Et il m'a éclaté la gueule quoi, vraiment. Rocotti. Je sais plus, il y a des trucs à loot là. Alors, peut-être qu'aller là-dedans, c'était pas la bonne idée. Ouais, on va peut-être ressortir. Je peux me remettre en jaune ou en vert, bien sûr. J'arrête pas de venir là. Ah mais ça c'est un téléporteur non en plus. C'est un téléporteur cette merde là où je me suis mis non. Ouais ça sert à rien. Ouais c'est un piège ok. Merci Flo et la no. Mais ça fait 3 minutes je suis con. Excuse-moi. De l'autre côté il y a un loot pas là. Ouais tant pis Osef, hein, il doit y avoir juste un truc pas de merde. T'es maintenant à 105, en fait tu étais à 85, de quoi des heures? Putain mais t'as pas le temps sur cette run. Ah bah là on y va Taz. On commence à accélérer un peu hein, je vais faire... Oh, oh le piaf. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu piaf de merde. Tu ne m'as pas vu s'il te plaît, tu ne m'as pas vu. Tu mignon, tu continues ton chemin et moi je vais faire la catacombe. Tu ne m'as pas vu piaf de merde, tu ne m'as pas vu. Parfait. Enfin, il s'est passé quoi sur la mort? Un piaf. Je vous jure, les piafs, c'est vraiment... C'est ouais, les volatiles funéraires, c'est... Oh, est-ce que quelqu'un peut montrer le clip du volcan à Warida aussi? Je sais pas si t'es encore là, mec. Oh là là, il s'est passé une folie. Un simple Euribis. Vraiment, il faut que tu vois mon volcan. Il faut que tu vois ce qui se passe. C'était, mais... Montrer le clip du volcan, je vous jure, c'est... Inespéré. Il y a une phobie des oiseaux IRL. Non mais vous savez que le pire c'est que j'ai un oiseau tatoué sur la cuisse hein. J'ai un oiseau tatoué sur la cuisse. Tu la fais ou je la fais pas? Non tu la fais pas, je sais pas ce que toi tu parles mais tu la fais pas. A plus le marin, merci pour cette superbe journée, surtout que quand il y a une heure de spam et de beats et tout, ça fait du bien de pouvoir rigoler pour cette autre chose qu'on est vraiment pas cool dans la vie. J'arrive pour te remercier avec des beats et des trucs du genre. Et je vais pas me mettre d'argent, mais y'a pas de soucis vraiment. Hein. Et toi, t'es ah, j'ai pas un oiseau funéraire sur la cuisse, j'ai un toucan. Moi je pensais qu'Alia elle avait changé, qu'elle était devenue gentille. Apparemment je me trompais. Apparemment, je me trompais lourdement. Ah, le piaf, il m'a défoncé, hein, le volatil funéraire. 4 tics de glaciation, j'étais mort. C'est fini. J'ai encore trompé de côté, c'est de l'autre côté. On me. Salut Takimichou.
Le volcan, tu serais mort. Non mais le volcan, tu te rends compte? Je sais pas comment je suis pas mort, mec. Hein. Le volcan, c'était, mais... Salut Lunia, ça va bien toi? Ah, le piaf, il m'a pulvérisé, on est d'accord. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut penser à la prochaine run maintenant. Et remercia. Oh, coccinelle là pour le boss. Allez, coccinelle pour le boss. Peu importe le boss, je dois le faire. Et Taz, arrête de ban Kalia. Enfin Taz. Non, la blague. Oh la blague. Mais laisse-moi! Vaccinelle, what do you miss me? No more Vike! Oh, c'est sympa ça. Ça c'est sympa, ouais. Si je tombe sur une Rihanna ou une connerie comme ça, ça peut être sympa. Allez, 2-18! Je prends le prochain Théo de Kalia, faites-vous plaisir. Mais Warida, t'aimes bien le faire Théo? Toi, t'es modérateur aussi, donc t'as ce plaisir de l'autre côté aussi, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a pas fait ici? Ah mais tout le sud j'ai pas fait en fait, putain. J'ai envie d'aller voir Margit d'abord. Je me sens chaud de Margit avant le sud. C'est moi, t'as pas mis l'alarme de vie tout à l'heure. C'est totalement vrai. Alpha Lama. Yo Bootchips! Est-ce que t'es là demain pour tester ta map Bootchips? Il faut 1000, est-ce que j'ai assez de runes ou pas? Non. Bonne nuit Hobbit! J'ai envoyé le code, c'est bon, il y avait des problèmes avec Epic Games, tout est bon, ok. Bah écoute, on peut tester la map demain, pourquoi pas, la map cache-cache. Enfin, les débuts de run sont quand même devenus beaucoup plus agréables hein, qu'avant. Omega, c'est quoi ton badge trop stylé que tu as? Je comprends pas ce que c'est. Il est incroyable. Ouais, je suis mort sur la tête funéraire, Pinar évolutif. A plus Arkavan, bonne nuit. Alors, qui avons-nous? Non, c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Merci pour Flo Kratos. Nia à la place de Margit, chaud. Mm-hmm. Rominigo. Ouais, il est chaud et je faisais pas de dégâts. Je faisais vraiment littéralement pas de dégâts. Merci pour Flo Skybolt. Ça aurait été O'Neill, ça passait plus facilement, je pense, mais Nia. Je prends encore 5-10 niveaux, je pensais, ça se passera quoi. C'est Streamer Awards 2024. Genre que t'as été voir, que t'as voté ou que tu as... Que t'as été... Nominé? C'est le cas, incroyable, bravo à toi. Aïe. Il faut des pierres de forge aussi après pour améliorer l'arme. Des deux, je crois. Oh, Nil-chan. Faut voter, ok, je savais pas. Romain, tu manges quoi? Mais j'ai pas mangé ce soir encore. Qu'est-ce que je mange ce soir? Qu'est-ce que je me fais de bon à manger ce soir après? Je pense que je vais grignoter un petit peu. Hein. J'ai pas mangé un gros truc ce soir. Une raclette. Je pourrais me faire une raclette en plus. C'est ça le pire. Non, mais raclette, on se fait une soirée react et je fais une raclette à côté quoi. Toi, elle a gagné un award, j'ai vu. Oh putain, ce rossier. C'est clairement mérité en vrai. Hein. Ok, petit souvenir là.
Un petit souvenir sans avoir des runes. Kebab. Le grand muguet fantomatique. Kebab. Yes. Un des pires trucs. Kebab. J'aime vraiment beaucoup cette cendre. Hein. J'aime vraiment beaucoup cette cendre. J'ai déjà dit, que j'aimais beaucoup cette cendre. J'ai déjà dit que j'adorais cette cendre. Jamais ? Bah je l'adore. Non mais un truc qui m'est arrivé, c'est hier, j'étais du côté de la montagne à gauche du plateau d'Altus et là une dame vient m'agresser, les envahisseurs de crottes. J'ai réussi à la mettre à un PV et j'étais aussi, et pam, je prends un coup de chien dans le dos qui me tuait pendant l'animation, le chien tue l'envahisseur. Le pire c'est que ça l'a réellement considéré comme vaincu, ça m'a donné le loot. Ouais, il y a toujours des trucs marrants comme ça qui peuvent se passer dans le ring. Là c'est rigolo. Alors qu'avons-nous ici? Personne? Non c'est pas l'assassin quand même. Ouh, ok. Il va falloir être bon là. Ah, bien joué mec. Mais putain, je peux pas faire de roulade. Oh non. Les gars, je peux pas faire de roulade contre lui non plus. Je peux pas faire de roulade contre lui non plus. T'es une grosse merde, Chevalier du Creuset, t'es vraiment une grosse merde. Putain, pour le faire tomber lui en termes de stun, faut y aller hein. En fait, il n'y avait pas de problème avec les roulades, c'est moi qui ai dû me tromper. J'ai un item. Oh, mais oui! Mais le jeu! Mais oui! Mais gobe-moi le. Pardon, non, non, mais incroyable! Mais oui, j'aime ça, j'aime! Ouh! Toujours un peu flippant, les ceux-là. Hein. Très, très cool, ça. Très, très chouette. Une petite larme de vie en plus. On t'a dit que t'arrêtais pas en 50. Est-ce que je vais vraiment jusqu'à 50 en vrai? Putain, ça fait tard 50 quand même, non? Ça fait tard 50, non? Non, et le compteur baisse pas. Tu tombes sur Malignat quelque part, tu combats ou tu la fuis? Ça dépend où. Et
Vrai homme tient parole. T'avais proposé 50 subs, Drago, la dernière fois, quand t'avais dit tu fais tous ces boss. C'est ça, hein. La dernière fois, t'avais dit 100 boss, 50 subs pour 100 boss. T'avais dit un truc comme ça, non? C'est le putréfié. Faut quand même faire gaffe, du coup. Oh, s'il te plaît, j'ai roulé. Mais je roule! Je suis tombé. Je fais quoi, je reset? Est-ce que je reset? Ah, ça le fait, je pense. Fais gaffe, quand même. Ça le fait, mais oui, ça le fait. Pas besoin de reset. Merci pour le TDTG. Étincelle exaltée. Ah, c'est un saut, ça, non? J'ai pas essayé des sorts avec ça, non? Merci pour le Nesta. Bonne nuit, Kouirem. C'est un saut, ça, on est d'accord, non? Oh, y'a Astel là, faut que je fasse gaffe. Reparabellum. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué dans toutes mes runs, c'est d'avoir des sauts, des trucs pour me booster. Comment va le Parabellum? Oh, pour Boyard. C'est pour les incarnations, ouais, c'est ça, hein. Ça peut, les incantations, ça peut être pas mal, ça, en vrai. J'ai rencontré 30... Bon, vous voulez encore une prédiction ou pas? 30 boss? Et on regarde quelle heure il est à 30 boss et on regarde si on va jusqu'au 50, ça vous va? Allez, go 30 boss, go prédiction 30 boss pour voir où j'en serai. J'ai vu aujourd'hui mon 4ème match de foot en 8 jours, suis-je addict? Oui, c'est pas une mauvaise chose. Chop serpent doré, ça peut être saine, ça peut être bien, ouais, ça peut être très bien. Le son est fort, la musique est trop forte là? Non, ça va. Oh, la Pierre de Forge 5. Go 30, mais vous votez alors, hein. On fait prédiction jusqu'à 30, mais vous votez, hein. Parce que si vous votez pas... Ouais, je suis mort en Nesta malheureusement. Mort sur un volatile. Mes deux derniers PB, c'est volatile funéraire. Il y a un message à me faire passer, hein, c'est que les volatiles, je suis nul contre. Hein. C'est comme ça, écoutez, hein, c'est la vie. Il a fait exprès de... Voilà, exactement, j'ai fait exprès, Drago. C'est trop facile, là. 135 en 22 runs, c'était trop facile.
suis un sabaton totalement git. Total Ming. Ah, que j'oublie, je pourrais acheter du crabe bouilli aussi après. Je vais bien le tenter, on va regarder les dégâts. Oh là là, oh là là. S'il me laisse jouer, évidemment. J'arrive pas à atteindre la tête, je crois. Théodorix n'est plus parmi nous. Ouh, venu chez Capic. Théodorix, ça dégage. Venu Drago. Qu'est-ce que les enfants sont Dragon Magma, les autres Théodorix et Makar sont plus forts en gros. Voilà. Simplement. Ça c'est fait, ça c'est pas fait, mais je le ferai pas tout de suite. Il me reste donc deux trucs à faire ici. J'avais qui déjà à la place de Margit? J'ai dit que c'était chaud. J'avais qui déjà? Je m'en rappelle pas. Nial. Ah ouais, 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 ouais. Nial. Alors sur speedrun.com, le speedrun 100% de ring n'existe tout simplement pas. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Ben Indianas. Il est long hein, speedrun de... Enfin les 100% d'Elden Ring, pfff. C'était Nial effectivement, ouais c'est trop chaud Nial je pense. C'est trop chaud. Trop compliqué. Je suis quand même beaucoup plus en confiance maintenant. Je pense que vous le voyez, pour le début de run, je suis vraiment très en confiance quand même maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense pour vous, ça va être plus agréable aussi de me voir un peu aller plus vite au début. C'était quoi ton arme favorite dans le jeu? Gourdin hérissé. Et je pense pour vous, c'est quand même plus cool en vrai aussi. Ils sont vraiment bien mes talismans par contre, ils sont vraiment très bien. Imagine un speedrun de 100% de Deathless de Elden Ring. Bah y'a Karsi qui fait un peu ça en randomizer en vrai. Il fait le speedrun randomizer d'Elden Ring. Et bah dès que j'aurai réussi la run, j'aimerais bien pourquoi pas tester. Parce que le début je connais très bien, la fin vous l'avez vu. Ça se passe moins bien. Menu Kalia. Kalia, si tu vas te coucher avant 6h du matin, ça veut dire que Asterix Obélix Mission Cléopâtre est meilleur que... Moi 6h du matin est déjà passé, oui bon alors ça... Hein. Mais Taz, toi tu vas perdre la modération hein. Taz, tu crois que tu vas emmerder les gens, sors mais t'auras plus la modération, tu pourras plus rien faire hein. Oh non putain...
Ok, il y a un spectre. Peut-être qu'il va pas bouger parce qu'il est contre un mur. On va voir. Ok, parfait. Je crois que c'est une sentinelle dragonique. Oh! Ouah, c'est chaud quand même, hein. Ok. Ok, ça va les dégâts. J'ai rien dit, ça va pas du tout. Je me casse ou pas? Je vais circuler. J'ai arrêté de me casser en vrai, hein. Je me casse, je crois, hein. On va se casser. Ah, c'est un, il est un poil chaud, il manque quelques niveaux là. Ouais, on va se casser. Il est un petit peu chaud le Morgoth quand même, Ouais, on va se casser. Bah c'est bien, on a testé les dégâts. Par contre c'est bizarre, j'ai pas mis de stagger, c'est vraiment bizarre que j'ai mis 0 stagger. T'aurais pu te le faire, c'était pas loin mais... C'était pas loin. Vous voulez vraiment que je prenne le risque là? Genre dans vos têtes c'était vraiment mode genre c'était sûr que je le passais. Salut Nat! Ouais, je suis mort sur un volatil funéraire. Daddy, daddy cool. Franchement autant revenir dans 5-10 niveaux et le péter quoi. Hein. Merci le flow, Lichimarux. Surtout que j'ai pas réussi à lui mettre le stagger, c'est bizarre, normalement il aurait dû prendre un stagger, je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Je crois que son stagger était bouffé dans sa phase, dans son changement de phase. Oh, c'est pas grave Nat, c'est comme ça hein. On va jouer à Elden Ring plus longtemps, c'est pas grave. Allez les points de chaîne les amis, les points de chaîne. Où sont les points de chaîne là? On veut les points de chaîne. LOL, quel jeu de merde? Elden Ring ou League of Legends? Ben, y'a pas certes, t'inquiète. Ah, League! Oh, c'est un bon jeu. Ben, là, y'a rien, je crois. Non. C'est combien du coup ton record de boss actuellement? 135, c'est écrit sous ma caméra. Je vais pas faire le farm XP au palais de Mogwin. Ouais. C'est pas le but non plus de faire de farmer l'XP dans ce jeu. Enfin dans le challenge quoi. C'est un bon jeu mais la commu pue. Parce qu'ils prennent pas de douche. Non, League of Legends pour moi c'est un des jeux qui est excellent, vraiment premier degré. Hein. C'est vraiment un jeu excellent. Bonne Chili. Et merci Mflo Odin. Bah demain matin on fait le Mario Kart Chili hein. Le speedrun, on va essayer d'aller faire le PB. Et bonne nuit Omega. LOL est un très bon jeu. D'accord. Tu commences à quelle heure demain? Je reviendrai en live vers 10h, 9-10h je pense. Dépend aussi à quelle heure je finis l'histoire quoi. Il y a une main. Ça pour un vieux croc, super. Aïe.
Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est... Wouah, il y avait du monde! Putain, il y avait du monde, là! Ouais, c'est ça, exactement, Léo. Ah, le monde qu'il y avait! Le monde qu'il y avait, là! C'est ok, ok. Ok. C'est pas toi que je vise. C'est bien, fais rien toi. Voilà, parfait. Super, t'as rien fait, c'est parfait, tip top. Oui, easy lui, oui. Très easy même. Le boss gratuit, un petit peu ouais. Bah il y a des boss gratuits, il y en a qui sont comme ça et ça fait plaisir. Et on se fait plaisir sur les boss gratuits. Non, 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 non. Donc bah ici il y a juste Morgoth que j'ai pas fait, mais sinon on a tout fait quoi. Ah non, château. Venue de le faire. Et merci mon flow Jess. Ouh, ouh. J'ai une idée, cette nuit tous les personnes actuellement présentes ici qui resteront, vous viendrez en vocal comme ça on se coordonne. Bah c'est... C'est des... c'est ce qui a déjà été fait hier soir Léo. Je crois que c'est Aram le chef du vocal, non? Aram, t'es là, Aram? Mais tu es bienvenu quand même, hein, Léo, t'inquiète. Hein. Ils avaient déjà fait un vocal hier. Ils étaient déjà chaud patate. Ah mais là c'est Babtou qui sont chef, ok. Je comprends ta galère maintenant, tu vois Nat? Ah il est trop tard, mais je peux plus être le chef. Bah c'est pas grave en vrai. Hein. Vous êtes trop fort en coordination. Hein. Ils ont déjà fait un badge hier Kaoxide. Redocar, en plus tu sais que dans cette génération là il y a 16 arènes Kaoxide. Donc potentiellement je dois lâcher 160 subs quand même à la fin, hein. C'est beaucoup hein. Ah, c'est beaucoup Zach the Snow. Que c'est la gen. Bah oui, mais parce que je pensais pas qu'il serait aussi rapide. Je pensais pas qu'en une, ils auraient déjà fait une arène. Viens, Fifi. Ah, mais je sais, Paul B, t'inquiète pas. Je le fais avec grand plaisir. C'est-à-dire, tu verras, on arrive minimum au troisième badge. Prenez pas trop la confiance, hein. Prenez pas trop la confiance non plus. Tu vois les chromules blanches, ça va avoir flou. Dans la deuxième génération, les chromules blanches, c'est très fort, effectivement, ouais. On aura raid, bah je vous le souhaite en vrai. Hein. On arrive à la ligue ce soir, bah oh là là là. Ah, la raid, les gars, ça va être chaud. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Ok, rien de trop compliqué. Oh, la musique incroyable en plus là. Vous entendez... Est-ce que vous entendez cette musique de fou là? Ah c'est dommage ça, je vais pas pouvoir l'utiliser. Banana.
Pam pam pam. C'est Galvanon, ça vient à toi. Oh, il y a vraiment un loup ici, putain de merde. Mais dans cette run, je comprends pourquoi j'ai autant de loups dans cette run. C'est chaud de ouf en vrai là. Hein. On va juste courir, je prends. On va juste courir. Ok. Là, à 6h, mes parents qui m'emmènent, donc je dormirai dans la voiture. C'est une bonne solution, hein. Bonne solution, pardon. A plus, héros. 50 ce soir, c'est chaud quand même, hein. Vous voulez vraiment que je les tente, les 50 ce soir? C'est chaud quand même, hein. 50 ce soir, là, waouh. Au moins, de l'évue maximale. Ça concerne, tu finis le matin. Après, c'est moi, si ça vous motive, pourquoi pas, mais. Si vous en battez les couilles. Salut, Ryan Golas, comment il va? Ah, c'est beaucoup badapouf, pardon, pas patapouf, badapouf. Donc, quand même, ce que tu des noms de Pokémon, on est d'accord. Ah, vous gérez ça entre vous, hein. Vous gérez ça entre vous. On va voir, il faut pas que je force en vrai, faut pas que je force. On va déjà jusqu'à 30, on regarde comment je me sens à 30, ok? Non, bah 50-30 c'est bien, vous voulez faire du Pokémon vous, hein. Demain tu stream? Bah oui. Oui, oui, Coty, demain ça sert pas, hein. C'est le sabaton. Et demain surgit face au vent, le vrai héros de tous les... Sympa la boule sur la tête, merci. Yo Lulu. Encore 105 heures. Putain, on va bientôt repasser en dessous des 105 heures. J'en reviens pas. On va repasser sous les 105 heures. En vrai, ça fait plaisir un petit peu. Ouais, ils veulent me virer pour jouer à Pokémon. J'ai capté, hein. Babalaboupoupoupou. Un seul bug, combien d'heures? 5 minutes. Allez, l'ours, ça dégage. Mom. Ah, ils se sont chauffés les gens. Putain, on est à 1341 subs. C'est... Vous êtes chauffé, on peut dire ça comme ça, ouais. Salut ma corp. T'as compté les bits qu'il y a eu ici? Ouais, alors ça, bonne question, il y en a eu beaucoup aussi, hein. Et je ne sais pas combien il y en a eu. C'est quoi le timer? C'est un subaton. Donc le live ne se finit pas avant la fin du timer. Qui réaugmente à chaque sub. En gros. Attaque-moi pas le chevalier, attaque-moi pas le chevalier. Merci. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi y a-t-il personne? Y'a personne. Oui, des fois je fais dodo, ça m'arrive, ouais. En fait, moi j'hiberne, je suis comme un ours. Je suis en hibernation des fois. Et on voit pas le boss. Est-ce que c'est l'assassin des couteaux noirs? Dans ce cas-là, il faudrait que je parte. Non, j'ai récupéré comme ça, j'ai trouvé Galvanon. Ok.
Et il se transforme pas ? Il se transforme pas ? Et alors là, il y a une invincibilité dessus. Ouais, mais petite. Eh oui. Ah oui, c'est pas Godric, c'est Godefroy. Si quelqu'un connaît la différence entre les deux, je veux bien la connaître parce que je sais pas. Genre t'es pas mort là. C'est quoi la différence entre Godric et Godefroy en vrai? Ah c'est son frère! Et pourquoi il est aussi greffé? Pourquoi il est aussi greffé son frère? C'est bizarre non? C'est Tom's... frère jumeau. Ouais Chichoubé. Ouais. C'est possible qu'il y ait Pat. Non, Pat on le tue au début. Ok, il y a juste Morgoth que je peux plus faire ici. Tac, 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 tout est fait là. Là, c'est fait. Et je pense qu'on va du coup éviter Nial. En gros, Godfrey, on le croise dans une geôle de base. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Genre, c'est la même personne? C'est un peu comme Margit Morgoth ou... Tu fais 25 ou 30 boss? Là, on va au 30, là. Romain, tu as sommeil. Sonako, tu veux juste que je joue à Pokémon, nom de Dieu! Ah ils sont jumeaux d'accord, mais alors pourquoi son jumeau est aussi greffé? J'ai eu plus les 135, merci. Ouais on est bien monté dans le PB au moins, c'est déjà ça. Putain on est à 36 heures de live quand même. Hein. Bonny Corps là-bas, c'est Dana Kill, on est à 36 heures de live quand même. Hein. Un frère jumeau a été banni. Ok. C'est marrant. Et vous allez jouer à Pokémon, vous inquiétez pas. Vous me laissez aller jusqu'à 30 ou je dois me casser? Menu Galvadon. Vous me laissez jusqu'à 30 ou je dois me casser là? Oust. Vous êtes pas croyable. Hein. Bonne nuit, Milo. Vous êtes pas croyable. Hein. Vous êtes pas croyable. Je vais bien que tu es jusqu'à 30. Mais je vais jusqu'à 30. Hein. Et il y a une prédiction jusqu'à 30. On va jusqu'à 30. Un react de fin, un react à quoi? Ah mon clip volcan. Ouais ouais. Une vidéo de 3 secondes. Allô. Et tap me. So after me. Bonne nuit Evan, t'inquiète. Controversy. Without me. Just follow me. Controversy.
Merde. Là, faudrait que je voie si j'ai pas un meilleur équipement là. J'y pensais, mais. Faut que j'augmente un peu l'endurance encore, mais ouais. Dernière vidéo de Ego, mais j'ai déjà vu. On a déjà vu la dernière vidéo de Ego, non? Celle sur League of Legends, on l'a vu? C'est très gentil, Elif, merci. Que nous vend ce monsieur? Oh. C'est fort ça. Oh. Je pense que c'est mieux ça. Est-ce que la hache de Godfrey est bien? Je crois qu'elle est pas terrible. Mais tu as pas trop la haine de rester après 135. Non. Je suis content d'avoir PB. Je suis content d'avoir PB, puis voilà. J'ai speedrun Portal depuis la vidéo d'Ego. Ah, les vidéos d'Ego sont très bonnes en vrai. Moi j'aime beaucoup, ouais. J'aime vraiment beaucoup. Non, puis en fait, il y a aussi un truc, c'est que je me sens vraiment m'améliorer au jeu de manière assez nette. Et le fait de s'améliorer, c'est quand même assez kiffant. Et du coup, au fait, quand je refais le début, je ressens pas ce truc de « Oh non, je dois refaire le début. » Et juste, je me sens genre, je suis meilleur, je me sens vraiment meilleur, quoi. Encore toi? Ah, il fait plus mal par contre, faut faire gaffe. Oh, je pourrais pas aller à la tête, fais chier. Oh non, j'ai pas eu le temps. Ne me bloque pas dans la lave, s'il te plaît. Dragon de magma! No more! Ok, l'arme de vie, ça fait plaisir! RIP les voisins, pardon, excuse-moi. Vraiment, j'ai peur de toi des fois, désolé. Excusez-moi, je vous fais peur! Je vous fais peur! Chrono n'a pas encore augmenté. On va passer sous les. Oh my god, on va passer sous les 105 heures! On va passer sous les 105 heures! Vous vous rendez compte? On va passer sous les 105 heures! Oh my god! Oh my god! T'inquiète, Hugues, t'inquiète. Je vis pas si mal que ça en vrai. Il a vu jusqu'à 40, après on montre l'endurance. Et après, la force. C'est quoi faire cette semaine? Ah bah là, là on a le temps de live, hein. Là, oui, oui, oui. Vraiment, tu vas faire quoi cette semaine? Bon, je vais live, hein. Putain, vous êtes chaud encore. Eh, 23h45, vous êtes chaud là. I'm blue, Vous êtes très très chaud, hein. Mais il fallait pas que je monte là. Oh, Igeomi! Ah, c'est un peu risqué de faire ça. Merci Igeomi pour les 3 subs! Merci beaucoup Igeomi, c'est gentil. On passera pas sous cette barre, j'ai l'impression. Oh putain. Igeomi, toi t'es aussi sur le Pokémon ce soir un petit peu ou pas? 105 heures. Merci Igeomi, c'est gentil.
La grosse souche, mes calculs sont justes. J'ai pas le temps de voir la fin de ton message, Crabble. Est-ce que tu pourrais le remettre? J'arrive plus à lire le chat, je suis désolé. Y a des débiles qui spamment une émote qui danse. Je vois plus rien. T'as gagné 111 heures avec les subs et 18 heures avec les bits. Ok. Ça marche, merci du calcul. Bonne Coty. Des quoi? J'ai dit des gens. Des gens fort talentueux, j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Des gens fort talentueux. Bien sûr, tu dors pas. Peut-être pas ce soir, mais en vrai, pour le dernier moment du marathon, probablement qu'en vrai, quand on arrivera au dernier jour de ce bâton, je vais pas dormir la nuit. Hein. Probablement qu'on va faire la dernière nuit ensemble. Ça va être assez intense. Oh, l'ours. Ouais. Pourquoi il réagit pas? Ouais, du coup, on a toujours pas décidé quel jeu on faisait demain après Mario Kart. Est-ce qu'on refait du Elden Ring? Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci beaucoup! Merci Hortensia pour le 14e mois, c'est gentil! Bonsoir Romain, je te souhaite de réussir. Bravo pour ce que tu fais, bonne chance. Merci, c'est gentil. Très gentil Hortensia, merci. Merci pour le 14e mois, ça fait un sub de plus du coup! Définitivement, les 105 heures qui reviendront jamais, hein. Ah, c'est le flow Wu-Tang. Ok. Il est cool ce combat, non? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous appréciez ce combat? Ça pas le défi, merci Wu-Tang, c'est gentil. Bonne nuit Coty. Wouh! Quel combat de malade mental! Et une larme de vie pour ça, merci! Quel combat de fou furieux! Ouais! Insane, hein? Et condoléances. Wow, c'est pas grave, Rastem. C'est le seul truc qui me tue, c'est les volatiles funéraires. Toi c'est la gravité, moi c'est les volatiles. On a tous nos points faibles, c'est pas grave, c'est comme ça. En vrai je le vis pas du tout mal. T'as speedé un nouvel run? Ah bah là, on y va hein. 25 boss en combien de temps? Je sais même pas tiens. 2h30, 25 boss, c'est pas mal non? C'est pas mal du tout non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal. Je suis encore en chargement, faudrait augmenter encore un peu. Tu fais quoi comme classe au début? Samouraï, moi je te conseille pour le début.
Mais ouais, c'est bien du MMOs pour le début, samouraï. Ça va prendre du temps à comprendre le jeu, hein, t'inquiète pas. Comment les Suisses ils reprennent quand les cours? Bah je crois demain, non? Je sais pas. Il me semble, hein. Je suis un... En randomizer? En randomizer, on s'en fout, les casse-messes veulent rien dire. Simplement d'une aventure. Mais ouais, 25 boss 2h30 là, on a une bonne run, hein. En plus, le setup au début, le dragon. Ça fait plaisir. Ça fait 100 boss en 10 heures, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça fait 2 heures que je suis au bout du bois dans Minecraft, j'en peux plus. Courage à toi, ça va bien se passer. Tu acte quand on essaie de me parier dans la semaine. Putain, faut qu'on organise ça. Il faut qu'on organise ça, le react. On essaie de parier, c'est vrai. Je crée un salon sur Discord, vous mettrez aux vidéos. Je pense qu'on fera comme ça. Faut que je me le note et... Faut que je me le note, ouais. C'est bizarre ce matin quand je me suis levé et lui Twitch, je te vois en stream. Ça fait très bizarre avec des de mon matin. Et bah ce sera pareil toute la semaine. Toute la semaine. Pom 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 pom. Il y a un item légendaire. Oh, oh je dis oui. Souvenir de géant de feu, il donne combien celui-là? Il donne combien le souvenir de géant de feu? Bonus c'est Saben. Ok c'est Miranda. Ça m'étonnerait. Moi j'aurais essayé pour faire tous les boss, j'espère que tu vas tous les déchirer. Écoute, on espère aussi Wu-Tang, hein. On espère, hein. C'est beau. Il peut arrêter l'autre, c'est bon là. T'es insupportable toi. Ça nous fait 26. Moi tu me fais une blague inédite, genre une blague sur les dromadaires. Genre une blague sur les dromadaires, ça vous dit? Lies of P, pourquoi pas un jour, ouais. Pourquoi pas. C'est récemment, j'ai commencé un nouveau régime où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Du coup, vu que j'en mange un par semaine, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime hebdromadaire? T'es mort comment avec le gourdin? Volatile funéraire. C'est bien, au moins je sais que mes morts c'est toujours volatile funéraire, peu importe la run. Volatile funéraire. Cherche partenaire en particulier. J'ai presque envie d'aller jusqu'à 40 en vrai. Je sais pas. Comme un dingue. Un pépé né. Un pépé né. Moi j'ai une blague sur les volcans. Vas-y. À 40 je vais être trop fatigué. Bah là je me sens en forme en vrai. J'avais bien conscience que vous voulez pas que je stream donc bon. Tant pis hein. Vous aimez pas quand je stream donc c'est dommage hein.
C'est seulement ma commune aimée quand je stream. Ma commune est là que pour Pokémon. Pour jouer à Pokémon une fois que je suis plus là. Eh, vous l'aimez bien cette émote, non? Vous l'aimez bien cette émote quand même, hein. Oh. Augmente la puissance des attaques successives. Ah, attends. Ah bah c'est mieux l'autre que j'ai. Merci le flow Twitch, Zoilix. Salut Twitch, Zilizix, ça va bien toi? Time, time. Time, time. Cette émote te représente bien. Elle est trop bien cette émote en vrai. Y'a pas de soucis, Tengen, t'inquiète pas. C'est le volcan qui se parle, un qui est en bonne santé et l'autre qui tousse, le volcan qui tousse dit à l'autre. Et je crois que j'ai cancer, l'autre il dit bah arrête de fumer. Waouh. Une blague de qualité hein. Oh putain Erastem. Je me suis fait Oharalou, je l'ai défoncé avant. J'ai vraiment défoncé Oharalou. Combien de gros boss pour l'instant? Oharalou, Goldfrey, Morgoth il est trouvé mais pas fait. Ça, elle est trop bien cette émote. J'ai trop hâte de voir les prochaines émotes, vraiment. Et merci Souk, c'est gentil. Et salut Tioz! Mais tu dors quand même? Oui, après je vais dormir. Oh putain de... J'ai raté mes deux attaques chargées, ça fait trop chier. Je suis en train de me venger pour la run d'avant là. Hein. Oh ça c'est pour la run d'avant, c'est pas le même. C'est pas le même mais je me venge pour la run d'avant, je peux vous le dire, je me run pour la run... NON. C'est pas le même oiseau. En vrai, cet oiseau-là, il est beaucoup plus simple. Hein. Quand il a pas ces trucs de gel, il est beaucoup plus simple, hein, vraiment. Ça va alors. Et tu rajoutes combien en temps avec un sub? 5 minutes. Tu m'excites, Romain. Mais viens chez moi, Erastem. Je me run pour la venge d'avant. Il a pété un câble, oui. Coccinelle, là, maintenant. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On le tue! Bonne Steve, bonne Steve! À demain, je l'espère! Merci encore pour tout ce que tu fais pour la chaîne Steve! Et merci beaucoup, Tio! 5 minutes de plus! Mais oui! Mais oui, c'est ce qu'on veut! 5 minutes. Cette run, elle est à 2h40 là. Coccinelle! Ya, ya, ya! Merci, Tio! Merci, Tio! Coccinelle, où es-tu? Là, le boss où je vais, faut que je fasse gaffe. Il est toujours très fort, le mob, là, où je vais. Elif s'excite. Elif, calme-toi. Elif. Elif. Ah, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. C'est un giganon. Ça... Je ne lui ferai pas de dégâts. Impossible là. Vraiment impossible.
En plus, là, elle est randomisée à un endroit trop dur. Il y a plus que ça dans le chat. Il y a plus que cette émote dans le chat. Vous savez qu'il y a d'autres... Il y a d'autres émotes qui dans le chat. Hein. T'as 30 ans, Tioz. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Au verser la loulou 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 loulou. Au joyeux anniversaire. Au joyeux anniversaire. J'espère que tu as apprécié. Bon, je parle les pierres de forge qu'il me faut là. Il faut quoi, lesquelles déjà d'ailleurs? Il faut des deux, hein. Putain, il faut des deux en plus. Bah ouais, il me faut des deux, il me faut deux pierres de putain. C'est pour ça, non. J'ai de ma poêle à la poubelle, on peut dire que j'ai plus de poêle. T'as plus de poêle? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il nie? C'est quoi le boss? Cavalier? Dragon ici ou pas? Non. Pas si mal que ça en vrai. Hein. Oh, c'est bon. Trop chiant, allez! Non mais il veut pas se battre, c'est une folie! Oh mais viens te... Oh, je... Oh, mais merci quand même! Putain mais non mais c'est... C'est trop chiant, ces boss qui veulent pas jouer, c'est vraiment trop chiant. Hein. Ouais, il fait un peu mal quand même. Oh mais je t'en peux. Je... Va te faire foutre, va te faire foutre. Allez, va te faire foutre, c'est bon là. C'est bon, insupportable. L'arme fissurée épineuse. Par contre, ça, je crois que c'est intéressant. Malgré ça, je crois que c'est très intéressant. Merci, Spectreur. C'est quoi la... Elle fait quoi la cendre là que j'ai ramassée? Je crois qu'elle est bien. Je crois qu'elle est très très bien la cendre. Bonne nuit, Pimille. Qu'est-ce qu'elle fait la cendre? On va checker. Si c'est la cendre qui fait tomber plus vite, c'est insane. Elle monte progressivement la puissance des attaques successives. Hmm. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. PNJ, ouais celui-là ouais.
Bonne Nuki kill. Et bonne Inaru kill. Moi par rapport à ma blague tout à l'heure, c'est que poil dans le sud ça se dit poil. Une poil. C'est vrai que vous dites poil ou poil? Une poil ou une poil? Comment vous dites cet ustensile? Raiden, une poil ou une poil? Une poil? Une poil? Non, une poil, non? Une poil? Une poil? Je dis poil. Poil. C'est un poil, on va pas dire une. Une poil, non? En Suisse, je dis poil. C'est cher des 1008 en vrai? Ouais, c'est pas cher, ouais. Ça fait 100 balles quand même. Mais lui qui kill. T'es mort à qui au PB? Volatil funéraire, Samuel. Mes deux derniers PB, c'est volatil funéraire. Voilà. Ma vie, mourir sur les volatiles funéraires. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par là? Lancer axe, on va essayer de pas l'aggro. Et là, Tsudara! J'y passe, c'est ma femme qui s'en occupe. Ouais, c'est un peu limite ça, Wotang, non? C'est le genre de van. Je rigole, ouais, mais j'imagine bien, fais gaffe quand même. Non. Merci. Non, on dit poil. Lulex a balancé 400 euros au calme. Il a balancé le sub aussi, Lulex. Hein. Lulex n'a pas balancé que les bits. Hein. Le Lux a absolument pété un câble aujourd'hui. Il a vraiment pété un câble. Le boss il est... Ah c'est le chat, ok c'est le chat. Tu as pensé à la cendre? Mais j'ai une cendre Tesco déjà. Hein. C'est gentil Naruki. Deux chats. Oula, c'est... Oh oui, vas-y, tue la main, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Ils font mal de ouf. Ils font quand même mal de ouf, non? Ça se fait qu'ils fassent aussi mal, mais je comprends. Et qu'ils prennent aussi peu de dégâts, surtout. Les gars, je comprends pas pourquoi je leur fais aussi peu de dégâts. Oh putain. Je leur fais pas de dégâts. Yo Gwenny, ça va bien toi? Est-ce que quelqu'un capte pourquoi je fais pas de dégâts sur ces putains de chats là? Et pourquoi ils font si mal surtout? Sinon, stagger ça existe pour toi? Salut Gustave! Ah, quand même! Merci! Putain, mais what the fuck, hein? Non, j'avais roulé, mais c'est pas grave. Salut Darkin, comment tu vas?
j'ai roulé, je vous jure que je roule. Ok, là j'ai pas roulé. On va faire gaffe du coup. OMG, mais... C'est gentil, Darkin. Excuse-moi, je suis un poil concentré parce que... mourir sur lui, ça me ferait bien chier quand même. Je le tente ou pas? Est-ce que je le tente en vrai là? Est-ce que je le tente? Tire-toi? Non. Ok, je me tire, je me tire. On va se tirer, hein. Mais putain, mais je... je leur fais pas de dégâts. Je leur fais zéro dégâts. C'est une folie, par contre. Pourquoi je leur faisais zéro dégâts comme ça? Venu Paul B, c'est une folie que je leur fasse aussi peu de dégâts, hein, vraiment. Bon. Tu serais mort, tu crois, Gwan? Il remplace le volatile funéraire. Ah, c'est un volatile funéraire. Ouais, j'ai que ça et elle est en plus 4, Gwen, mon arme. En vrai, ouais, c'est pas terrible. Il faut que je trouve des pierres d'eau absolument assez vite. Ah, mais attendez. Attendez, attendez, je viens de penser un truc, je suis con. Je viens de penser à quelque chose, là. Moi, c'est l'heure de dormir. Bah, il y a la prédiction en cours, j'ai jusqu'à 30 quand même. Around. Il donne pas beaucoup le souvenir du géant de feu. Il donne vraiment pas beaucoup. Je suis encore deux boss, ça va aller, non? Là, les chats, tu les défonces avec deux niveaux de plus, je pense maintenant. Les pierres carlifères régènent les ennemis aussi. Ah! Venu à Inant. Ah, ça, je savais pas ça. Ah, merci beaucoup pour l'info, Inant. Ah oui! Plutôt une info importante en plus. Il me faut absolument, absolument des pierres. Attendez, j'ai pas fait le cimetière en vrai. On va peut-être aller faire le cimetière. Il est là, Babtou. 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 Retaïs, Babtou. J'ai kiffé la vidéo de 2h30 sur Elden Ring Rando. Merci Tesco, ça régale. Ça fait trop plaisir. Bah, la prochaine vidéo, ce sera sur le challenge que je suis en train de voir actuellement. Voilà. Je sais pas, on t'appelle dans le chat, Babtou. Putain, je reviens toujours pas avec ces chats, j'en faisais zéro de dégâts, quoi. La location de Babtou a marché. Bah, elle marche toujours. Allez, une petite pierre 2, s'il vous plaît. Pierre 2, pierre 2. Non, pas pierre 3, pierre 2, pierre 2. Non, pas pierre 1, pierre 2. Pierre 2. Oui, mais alors pas sombre, normal. Putain. Oh, attends! Non, ça peut pas être utilisé. Non, mais j'ai eu pierre 1, pierre 3 et pierre forge de son. Non, mais stop! Non, le jeu me troll. Le jeu me. Non, c'est une dinguerie. Je viens. Non, je me suis. Non. Non. On en parle du troll des pierres que je viens d'avoir là? Pierre 3, pierre 1, pierre de forge sombre 2, pierre de forge sombre 2. J'ai besoin de la pierre 2. J'ai jamais vu une commu aussi safe place. Bah, c'est gentil, Dark. Merci. Fais gaffe, hein, ils sont pas tous sympas. Hein. Si tu vois quelqu'un dans le chat,
s'appelle Babtou, méfie-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Oula, ce serait pas Mog ça? Non. Ah, les duellistes. Méfions-nous quand même, méfions-nous. On va se méfier quand même, lui, on va se méfier. Bon, ça va. Je fais pas de dégâts. Hein. Je fais vraiment pas de dégâts là. Hein. Bon, je vais enchaîner comme ça. Hein. Oui, je le easy, mais regardez, je fais pas de dégâts, les gars. Je ne fais pas de dégâts. J'ai pas de dégâts. je crois que j'ai trouvé la strat pour le tuer, celui-là. Et il va rester à terre jusqu'au bout. Hein. Mon ami, tu vas pas bouger. Tu vas pas bouger, mon ami. Tu ne vas pas bouger. Je t'ai dit, tu vas pas bouger, tu vas rester par terre. Ah. Oula. C'est quoi ces dégâts que je fais pas par contre? Je lui faisais zéro dégâts. Je lui faisais zéro dégâts. Putain. Ah bah l'arme de vie, merci. Je lui faisais pas de dégâts. Vous avez vu? C'était abusé, non? Faut vraiment que je trouve les pierres. Il faut vraiment que je trouve les pierres vite là par contre. Ça va être. Ça va être tendu si je trouve pas les pierres. On est à 29, mesdames et messieurs, et merci mon flot de sous, coucou! Allez, on m'a plus qu'un Pokémon. Putain, mais je me fais virer de mon live, c'est une folie, hein! Je me fais virer de mon live! T'as mis 30 boss, la merde. Oh, j'ai mis 30 boss en avance, c'est pas grave. Ouais, sans les pierres, ça va commencer à devenir compliqué là, vraiment. Je pense que je suis obligé de mettre un peu de force, sinon je vais pas faire dégâts, assez de dégâts. Hein. C'est bien tué. Bah, je me fais virer de mon live là, les joueurs sont en mode casse-toi, on veut Pokémon! Va au lit, Romain, on veut jouer à Pokémon! Non, à 4h, ça sera Pokémon, Adèle. Oh putain, on est passé sous la barre des 105 heures. Exactement, Darkin, c'est le nombre d'heures qui reste à live. Ça fait quelques heures, non? Tu dors pas? Si, si, non, mais genre, les amis. Quand même. Je sais que j'ai mis 30, Rastem. J'ai pas fait exprès. Allez, un boss facile. Je crois que c'est la première sentinelle, elle prend vraiment cher.
Ouais, c'est la première sentinelle. Ouais, alors là, surtout la première sentinelle. Il y a des sentinelles qui peuvent être un poil galère et qui tankent vraiment. Mais celle-là, c'est la première. Ça, c'est la toute première, elle est. Oui, le train de boss, mesdames et messieurs. Chakatam. Chakatakatam. Tu vas exploser ton score de la dernière partie. De la dernière partie, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? J'ai mis 31, putain. J'arrive pas à mettre 30. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore un, ou deux, ou trois, ou six, ou mille? Vas-y, juste voir qui a l'arbre là-haut. Ok, vas-y, go go. Juste voir qui a l'arbre là-haut. Bah ouais, 1000 boss, on finit le challenge. Ouais, les amis, je stream depuis 9h ce matin en vrai quand même, faut pas trop que j'abuse, hein. Faut pas que je me fatigue trop. Y'a quand même beaucoup de ce bateau derrière qui vont arriver. Hein. Ah, c'est le défi pal, j'ai pas refait encore, monsieur. Mais il faut que je trouve ces pierres de forge 2, sinon ça va être la merde. Si je peux pas améliorer mon arme. Non, à ce qui paraît, c'est bon pour la santé, c'est prouvé ça? C'est vrai que c'est comme manger, parce que ça sert vraiment à quelque chose. On s'hydrate, oui, oui. Vous inquiétez pas pour moi. Ah, c'est pas mauvais de dormir, ok. Moi qui va se réveiller, qui va voir que le chrono est à 200 heures. Non. Bon, je pense pas pendant la nuit, à mon avis, non. C'était contre un volatile funéraire, Virgile, pour changer. Toujours ces putains de volatiles de cons. Et ouais, demain on commence par le speedrun Mario Kart 150cc. Non, plus le 50, c'est mort. Hein. J'ai fait une fois, c'était pas rigolo. 150 demain. Ma lignette est morte sur ma dernière run, Virgile. J'ai réussi à la tuer. Là, j'ai déjà trouvé Morgoth. On a tué Oralou. On a tué Goldfrey. Bouffe buisson et baisse. Alors, j'ai qui là-haut? J'ai encore un cavalier. Putain, mais c'est bon. Ouais, c'est un cavalier. Après Malenia, quand j'étais la voir, vraiment j'étais over level, je lui ai éclaté la gueule vraiment. Lui c'est le plus dangereux en vrai. C'est le seul qui fait un peu mal, je trouve vraiment celui-là, avec cette arme-là. Bon, vraiment t'as raté ça. Ça sert à rien contre lui. C'était déprimé Malenia, pourquoi? Ils sont tellement chiants ces boss qui font que courir, je vous promets. Oh mais j'en peux. Mais viens te battre! Mais viens te battre! C'est une folie, c'est... Je vous jure, ces boss, c'est insupportable. Salut Azelonia.
Qu'est-ce qui court à côté? C'est une chèvre, c'est un sanglier qui court à côté. Oh, t'es trop chiant, je te jure. Je jure. Je jure, t'es un des pires boss du jeu. Merde, c'est moi qui fais la merde. Juste finis-moi ce boss. J'en peux plus. Oh, quel boss de con. Mais quel boss de con. Quel boss de... L'arme de vie, graine dorée. Bienvenue à fan de Zelda. Bon, c'est bien, je fais toujours pas de dégâts, mais au moins... Moi, j'ai des potions qui remettent de la vie, quoi. Est-ce que vous voulez un dernier boss ou pas? Avant le Pokémon. Voulez-vous un dernier boss avant Pokémon? Bonne nuit, hardcore. Est-ce que c'est mieux le centre de guerre ou juste imprégner la magie sur l'arme? Ça dépend de la situation, en fait. Vas-y, dernier. Dernier. Là, je commence. Ouais, là, je commence à fatiguer. Là, je. Là, c'est le dernier. Après, je. Ne perdons pas la run sur un truc des bêtes. Je vais déjà vous mettre en vocal. Pokémon arrive. By standing on the wall. Merci pour Flo Shadow Dooney. Et à demain, Malenia. Pas quand même, j'ai pas compris, tu fais quand? Je fais le dernier boss, Ego là. Comment on fait des méchouis maintenant, c'est quoi ça? Pokémon, en gros, c'est vous qui jouez au jeu, Tesco. Déjà, jusqu'à 107 heures, on peut encore faire mieux. Wow, c'est déjà très bien, hein. Je pense faire Lies of People pour la première fois et c'est un pur plaisir l'univers, mais ça reste plus simple qu'un Soul à mon goût. Ouais, ça m'étonne pas ça. Ça m'étonne point. Mais je pense qu'il est très sympa Lies of People, vraiment à tester. Ah oui, elle est rapide, ces catacombes en plus, elle est hyper rapide. Est-ce qu'il y a des boss qui peuvent être infaisables en fonction de l'arène? Infaisable non, mais très dur oui. Le Jiglar, pas trop KO. Ouais, là je commence à être un peu KO en vrai. Après, je live depuis 9h, hier on a live toute la journée. J'avoue que là ça commence à taper un peu, mais ça va. L'ambiance est bonne, je passe un bon moment donc ça va. Mais Izuk, il faut bien que je me repose un peu sinon je vais crever. Imagine. Vas-y, mets-toi encore plus ton perchoir là, qu'on puisse bien pas te taper. Oh putain.
Ah, j'arrive de nouveau pas à la tête à cause que... Ah non, c'est bon. Ah, je peux pas. J'ai pas accès à sa tête. Oh là là. J'arrive pas à le stun. Il est presque mort. He's almost dead. Les dragons, je jure qu'ils sont ultra surcotés dans ce jeu quand même. Hein. C'est vraiment les trucs les plus surcotés du jeu, les dragons. Mais je dis oui. Je dis oui. La musique va bien avec le combat. Ah et oui, en vrai oui. La petite graine dorée qui régale. Sur côté parce qu'on est dans une grotte. Ouais, même en dehors d'une grotte, c'est pas si dur que ça les dragons. Enfin ça dépend lesquels mais... Même pas si... Non, pas si du sac c'est très stylé. Non alors, pardon, les dragons anciens sont très stylés. Les dragons moins anciens sont moins stylés. Voilà ce que je voulais dire. Je vais mettre la graine dorée comme ça j'oublie pas. 32 boss en combien de temps là? En vrai c'est une belle run hein. 32 boss en... Et 32 boss en 3h17. 32 boss en 3h17.